Thank you.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour le passage des enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour tous ces enfants? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été merveilleux. Que le Seigneur bénisse les encadreuses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur les bénisse. Ça les force même au bilinguisme parce qu'ils ont des petits-enfants qui parlent trop anglais. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Amen. Une blague. Asseyez-vous. Anglais obligatoire. Amen. Nous fêtons quoi au cours de cette saison? We celebrate during this season. Mais je préfère qu'il y ait un petit enfant qui vienne traduire. Qui parle anglais ici parmi les petits enfants? Ok. Donc votre anglais était vous. Que célébrons-nous parmi a dit au cours de cette saison? This season. Ok, quelqu'un arrive. Applaudissez fort. Donnez-nous le micro. Alléluia. Amen. Nous fêtons quoi au cours de cette saison? What are we celebrating during this season? Alléluia. Est-ce qu'un enfant peut répondre dans la salle? Can a child answer in this room? On fait quoi? What are we celebrating? C'est la Pâque. It is Easter. On célèbre quoi? C'est la bonne année? What are we celebrating? Is it New Year? Ou bien la fête de la jeunesse? Quelqu'un veut répondre? Acclamez, quelqu'un veut répondre? Donnez-nous le micro. Nous fêtons quoi au cours de cette saison? La fête de la jeunesse, ou bien la bonne année, ou bien la Pâque, on fait quoi? On fait la naissance de Jésus. Alléluia, acclamons fort, c'est vrai. Amen. Peut-être que la petite sœur derrière a une autre réponse. Nous fêtons quoi, maman? Nous fêtons quoi? Elle va peut-être répondre en anglais. Nous fêtons quoi? Traduisez-lui. Nous fêtons quoi? We are celebrating Jesus' birthday. Amen. Acclamons fort. Et ils ont tous donné la bonne réponse. Amen. Et il y en a qui pensent qu'on ne doit pas célébrer Noël. There are some people that think that we don't need to celebrate. Selon eux, et ils ont beaucoup d'explications, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne doit pas célébrer Noël. Ils disent que ce n'est pas une fête chrétienne. Ils disent que ce n'est pas dans la Bible. Ils disent que c'est parce qu'on appelle, on a, en français, ils ont dit no, Noël qui veut dire pas d'éternel. They are saying that it's because in French you have said Christmas, that is meaning not love. Amen. Est-ce que nous devons célébrer ce moment? Do we need to celebrate this moment? Et là qui disent que non, la date n'est pas exacte. There are people that are saying that the date is not exact. Nous disons ceci. Also, I'm saying this. Que la date soit exacte, qu'elle ne soit pas exacte. The date should be exact or not. Nous savons qu'il y a eu un moment, une saison au cours de laquelle Dieu a manifesté son amour pour le monde. God has manifested his love for the world. Et il nous a donné son Fils unique. And he gave us his only son. Et la Bible le dit. And the Bible says. Dieu a tant aimé le monde. God
God so loved the world qu'il a donné son fils. That he gave his son. Nous célébrons un don précieux. We are celebrating a precious gift. Un don d'une grande valeur. A gift of a great value. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a fait un grand don au monde. That he made a great gift to the world. Il a donné son fils. He gave his son. Donc nous ne pouvons pas laisser cet événement passer comme si rien ne s'est fait. So we can't leave that event pass as if nothing has happened. C'est l'événement le plus important qui existe. That's the most important event ever. Il fallait d'abord qu'il soit donné. It had to be given first. Si Jésus ne naissait pas, on n'allait pas avoir la Pâque. If Jesus was not born, we would not have Easter. Il allait mourir comment? How would he have died? Amen. Amen. Donc nous célébrons un grand don. So we celebrate a great gift. Il est très important que tu aies une petite compréhension de ce don qui t'a été fait. You must have an understanding of the gift that was given to you. Un grand don. A great gift. À quoi est-ce que ce don te sert? How is it useful to Quelle you? Est son importance dans ta vie? How is it important in your life? Dans cette humanité. In this humanity. La Bible dit Dieu a tant aimé les bâtards. The Bible says God so loved the bâtards. C'est ça qu'il dit. Is it what is written? Ou bien il a tant aimé les étoiles. Oh, he so loved the étoiles. C'est ça qu'il dit. Qui dit? On dit Dieu a tant aimé les Turcs. God so loved the Turkish. Ou encore Dieu a tant aimé les Romains. Oh, he so loved the Romans. Qu'il a donné son fils unique. That he gave his only begotten son. C'est ça qu'il dit. On dit Dieu a tant aimé qui? He said that God so loved the world. Est-ce que le monde est dans la salle? Is the world here? La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. The Bible says God so loved the world. Qu'il a fait quoi? That he gave. Qu'il a donné. That he gave. Il a donné. He gave. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. You are blessed. Au nom de Jésus-Christ. Jesus Amen. Christ, amen. Donc il est vrai que demain c'est la fête de Noël. So tomorrow is Christmas Day. Nous commençons les célébrations aujourd'hui, ce dimanche. But we are starting celebrations today, this Sunday. Et parce que Jésus est la raison de cette saison. And because Jesus is the reason of this season. Ce grand don est la raison de cette célébration. That great gift is the reason of this celebration. Nous voulons parler de ce don aujourd'hui. Today we want to talk about that gift. Alléluia. Amen. Ce don est très important. That gift is very important. Mais sais-tu combien important est ce don pour toi? But you know how important it is for you. A-t-on parlé de lui? Have you heard about me? Le don là est tellement important que même ceux qui ne croient même pas en Jésus sont dans la fête. The gift is so important that even those who do not believe in Jesus are celebrating. La plupart des sapins viennent de Chine. Most of Christmas trees are coming from China. Même à la briqueterie où on refuse même Jésus, mais vous allez voir les festivités sont là-bas. Even Personne n'est celebrating. C'est la fête. Is a feast. Les tailleurs font les bonnes affaires. And designers are doing good business. Les commerçants font les bonnes affaires. Sellers too. Les bouchers font les bonnes affaires. Butchers are doing good business. Mais le poulet souffre. Alléluia. Amen. Les sorciers même font les bonnes affaires. Witches too are doing good business. C'est la saison des bonnes affaires. That's the season of good business. Partout où Jésus est célébré, everywhere Jesus is est mentionné, or mentioned. Même si c'est les satanistes qui disent qu'ils ont initié cette saison, even if satanists claim that they have launched this season, je suis sûr que eux-mêmes ils regrettent. I'm sure that they have regrets. Lorsque le diable a lancé le coronavirus, when the devil started coronavirus, il ne savait pas que les réseaux sociaux allaient être envahis par Jésus. He did not know that social networks would be invaded by Jesus. C'est-à-dire que Jésus a trouvé les gens à la maison. So Jesus found people at home. Même ceux qui ne voulaient pas. Even those who
did not want. Il y en a qui se sont réjouis qu'en fait les églises ont fermé. Some people rejoiced because the churches were closed. Mais ça les a trouvés à la maison. But Jesus came at home. Ça pourchasse les gens partout maintenant. It is after people everywhere now. Ou que tu sois même en cachette dans l'Arabie Saoudite. Even in Saudi Arabia. Ça peut te trouver à la maison. You can have it at home. C'est une saison au cours de laquelle. It's a season during which. Même ceux qui n'aimaient pas les réseaux sociaux étaient obligés de s'asseoir et de faire des rencontres. Even those who did not love social networks were forced to sit and have some. Et on dirait même que l'église après le COVID a encore plus grandi. And it's as if the church expanded more after COVID. Les gens regardent. People look, are looking. Est-ce que vous êtes ici? Amen. J'étais en train de regarder quelque chose sur YouTube hier sur Internet et j'ai vu watching something on YouTube yesterday on the Internet. Cette situation où on a attrapé un pasteur au Sri Lanka. I saw that they arrested the pastor in Sri Lanka. Et je me suis rendu compte que mais on arrête ce pasteur, ça veut dire que les autorités le suivent en secret. If I say to myself that if this person is arrested, it means that authorities are following him secretly. Ils ont pu suivre son message de bout en bout. It means that they listen to his message. Parce qu'au milieu de son message, because the base of the message, il a fait certaines déclarations. He made some declarations. Qui ont amené les autorités à faire éruption dans l'église. That led the authorities to go to this church. Après le culte, after the service, mais il va passer Noël en prison. And but he will spend his Christmas in prison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a dit pendant qu'il prêchait que tous les systèmes religieux ont passé le temps à chercher Jésus sans bien pour autant savoir que c'est Jésus qu'ils cherchent. In his preaching, he said that all religious systems were seeking Jesus without knowing it. Je disais à un moment donné dans sa prédication que même ici dans mon pays, je suis né dans un pays bouddhiste. Said I was born in a Buddhist country. Bouddha veut dire l'illuminé. Buddha means the one who is enlightened. Celui qui cherche la lumière. The one who seeks the light. Mais Jésus est la lumière. But Jesus is the light. Si Bouddha cherche la lumière, ça veut dire qu'il cherche Jésus. The light, it means that he's seeking Jesus. C'est ça qui a provoqué son arrestation. And because of that declaration, he was arrested. Donc celui que vous cherchez là, so the one you are seeking, en vous embrouillant n'importe comment, as you're confused, c'est Jésus. Is Jesus. Donc les autorités étaient cachées. So the authorities, le premier ministre, le préfet, ils suivent en secret les cultes. The officers, they were following the services secretly. Satanists follow services secretly. Celui qui vous dit que l'internet c'est le diable lui-même est confondu par son internet. The one who says that internet is the devil himself is confused by the internet. Parce que même la nuit, tu peux suivre les moments de prière ensemble. On peut prier ensemble. Because at night, you can even follow prayers on the internet. Donc si Satan se vante qu'il a créé quelque chose, lui-même il est confondu. So il ne peut plus arrêter ses affaires. Satan claims or is boasting that he created something now, he's confused and he can't stop it. En fait, il n'a rien créé puisque lui-même il est créé. He has not created anything because he himself is created. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. You are blessed. Donc je voulais dire au cours de cette saison, so during this season, que Jésus est la raison pour laquelle il y a tant de mouvements, I want to tell you that tant de célébrations. Why we have so movements, so many celebrations. Nous célébrons un don. We do celebrate a gift. Même dans les milieux naturels, quand un enfant naît quelque part, c'est un sujet de célébration. Even in natural places, when a child is born, people celebrate. Nous célébrons un grand don. We celebrate a great gift. Et ce matin, je voudrais commencer avec toi quelque chose dans Luc, and chapitre 2. I want 2. Us to turn our Bible in chapter 2. Des versets 10 au verset 14. From verse 10 to 14. Luc, commençons au verset 7. Let's start verse 7. Luc, chapitre 2. Attends que tout le monde arrive à la page. Est-ce que tout le monde est à la page? Luc, chapitre 2. Commence au verset 7 jusqu'au verset 14. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur est apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Redis le verset 14, s'il te plaît. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur toute la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ça, c'est un gros français. Par les hommes qu'il agrée. Agrée, c'est qu'il est dans la salle. Amen. Amen. Regarde ce que la version Semeur dit dans le verset 14. Il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Amen. Là-bas, c'est plus simple, n'est-ce pas? Agré. C'est un gros français. Alléluia. Amen. Il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Amen. Ici, c'est la célébration des anges. Yes, it's celebration of angels. Les anges ont rencontré des bergers qui étaient en train de veiller sur leur troupeau. Angels met shepherds that were watching over their flock. Ils se sont révélés à eux et ils ont fait cette déclaration qui commence au verset 7. They revealed themselves to them and they make declarations that start in verse 7. Donc, c'est les anges qui s'adressent à des bergers. So, these are angels speaking to shepherds. Je veux qu'on relise Let us read it ce qu'on vient de lire. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il y avait pas de place pour eux dans le terrier. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Arrête. Cette bonne nouvelle sera pour tout le peuple le sujet de quoi? D'une grande joie. Good tidings will be of great Cette joy. Bonne nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Good tidings will be of great joy. Que ce soit les Africains, Whether que ce African soit les Européens, Europeans, que ce soit les Asiatiques, Asians, cette bonne nouvelle, that good news, cet enfant qui nous est né, the child who is born, cet enfant qui nous est donné, the child who is given to sera us, une bonne nouvelle will be a good tidings pour tous les peuples. To all people. Une bonne nouvelle pour tous les peuples. To all people. Parce que certainement sa naissance va apporter quelque chose à l'humanité. Surely his birth will bring something sa to mankind. Sa naissance va affecter un his changement birth will bring a change dans toute l'humanité. In the whole mankind. Qu'est-ce que sa naissance nous apporte? What is birth bringing to you, to us? Quelqu'un va me dire c'est beaucoup de sapins en ville. Someone may reply, many Christmas trees. C'est beaucoup d'embouteillage aussi en ville, n'est-ce pas? Much traffic jam. Sa naissance apporte quoi? What is his birth bringing? Les boutiques chinoises sont pleines. Chinese shops are full. Et embouteillage en Bombay. And there's traffic jam. Et on a traffic jam in markets in Bombay. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que sa naissance nous apporte? What is birth bringing to us? Les nouveaux habits, new clothes, les commerçants qui ont fait des bonnes affaires, tell us with good business. Qu'est-ce que sa naissance t'apporte? Demande ça à ton voisin. Bring it to us. En quoi cette chose-là est, en quoi cette naissance-là est une bonne nouvelle pour moi? How is it birth good tidings? Ou bien parce que vous mangez beaucoup, c'est une saison pour laquelle on mange facilement chez le voisin. No.
Is it because you eat too much? Les pauvres vont souffrir. Alléluia. Amen. En quoi est-ce que cela est une bonne nouvelle pour nous? How is Amen. It a good tidings for us? Nous continuons jusqu'au verset 14. Maman finit avant qu'on ne commence, qu'on ne prenne de l'envol. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. Paix sur la terre. Paix. On her peace. Paix sur la terre. On her peace. Paix sur la terre. On her peace. Est-ce qu'il y avait la guerre sur la terre? Was that war on earth? Parce que quand on dit paix sur la terre, c'est comme s'il y a un problème sur la terre. When they say on her peace, that's it, there's a problem. La terre était en guerre. Was her on war? Paix sur la terre. Pourquoi les anges sont si joyeux? Why are angels so joyful? Si contents. See, so happy, si excité. So excited. Vous pouvez même trouver des bergers qui sont tranquillement endormis. That they were sleeping. Qu'est-ce qui les excite? Why are they so excited? La paix sur la terre. Peace on earth. Est-ce que l'arrivée de cet enfant va apporter la paix sur la terre? Will the birth of that child bring peace on earth? Je te pose maintenant la question. Est-ce que l'arrivée de Jésus va apporter la paix sur la terre? Will the birth of Jesus bring peace on earth? Il dit ici paix. Sur la terre. On her peace. Le verset 14 dit quoi? Gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est lui qui agrée, c'est lui qui aime les hommes. Goodwill toward men is the one donc, who has good paix parmi les hommes qu'il aime. Towards men that he loves. Donc ça veut dire que l'arrivée de Jésus va amener la paix sur la terre. So does it mean that the birth of Jesus will bring peace on earth? Je pose la question. Depuis que tu as cru en Jésus, il y a beaucoup de paix tout autour de toi. Je te pose la question. Depuis que tu as cru, même dans ton corps, il y a beaucoup de paix. Experience peace even in your body, all around you. Ça veut donc dire quoi la paix qu'on nous annonce ici? So the peace is announcing. What does that mean? Et regardons un peu ce que Jésus lui-même va accorder. Matthieu chapitre combien? Chapitre quelque chose, 10. Verset 34. Let's turn our Bible in Matthew 10. Paix sur la terre. Les anges viennent de déclarer que paix sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Paix. Depuis que Jésus est venu depuis 2000 ans, paix. Il n'y a plus eu de guerre. Depuis qu'il est arrivé, là, il y a vraiment la paix sur la terre. Okay. Do you experience peace on earth? Au contraire, c'est comme si les choses se sont excitées davantage. Just keep things are getting worse. Depuis que tu as cru. Since you have believed. Tu es même allé déclencher les batailles. On parle maintenant du combat spirituel. Les maris de lui sont excités. C'est comme s'ils étaient plus calmes quand tu étais païen. Spiritual husbands are excited as if they were quiet when you were gentle. Amen. C'est comme si la sorcellerie était plus gentille quand tu étais païen. It's as if witchcraft was kind when you were gentle. Depuis que tu as décidé de suivre Jésus, on peut t'atomiser régulièrement. Yeah, attacking you regularly. Typhoïde en décembre. Typhoïde en décembre. Paludisme malaria, en février. In February. Mauvais rêve. Bad dreams. Au moins deux fois par semaine. At least twice per week. Parfois on s'assoit et dit, mais Seigneur, est-ce que c'était même pas was it not quand j'étais dans le monde, when I was in the world, le peuple d'Israël a demandé à Moïse que pourquoi tu es venu nous enlever d'Égypte? Why have you delivered us from Egypt? Depuis là que tu as annoncé tes choses là, Pharaon nous rend la vie difficile. Pharaoh is bringing hard labor on us. Et les anges ont dit paix sur la terre. And the angels said paix sur la terre. On her peace. Paix sur la terre. On her peace. Il y a normalement la paix sur la terre. You experience peace on earth. Écoute, maintenant c'est lui, ce que Jésus m'a dit. Listen to what Jesus says. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça chauffe.
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais les anges viennent de chanter tout à l'heure, non? Angels sang before. Ils viennent d'exciter les bergers, non? Excite the shepherds. C'est une nouvelle qui apportera beaucoup de réjouissance. Paix sur la terre. Entre les hommes qui l'aiment. Rejoicing. On appelle le prince de paix. He's called the prince of peace. Écoutez maintenant le langage du prince de paix. So listen to what the prince of peace says. C'est un langage de paix, ça. Is that the language of peace? Il dit quoi? Il dit à ton voisin, ne dort pas. Il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Il est venu apporter quoi? L'épée. To bring sword. Je connais une famille ici, lorsqu'ils ont cru en Jésus, when they believed in Jesus, le père de la maison est devenu très nerveux. The father of the house became so nervous. Parfois, même quand ils priaient en secret, at times when they were praying secretly, ils se réveillaient en soupçon, ils disaient, laissez ces choses que vous voulez faire. The man would just woke up suddenly and say, stop what you are doing. Laissez ce que vous voulez faire. Stop what you are doing. Selon le témoignage de sa femme, quand parfois même elle se couchait à côté de lui. At times when his wife was sleeping beside him. Puisque il avait interdit la prière à la maison. As he has forbidden prayers, the prayer in the house. Elle commençait maintenant à faire ses prières silencieuses dans son cœur. She would be praying silently in her heart. Il a supporté quelques jours. And he bore it for certain days. Les vraies prières parce qu'elle avait maintenant cru en Jésus. True prayers because she has now believed in Jesus. Avant d'avoir cru en Jésus, elle était toujours dans les systèmes religieux du monde. Before she believed in Jesus, she was in the religious systems of the world. Elle était dans tous les systèmes religieux du monde. She was in the religious systems of the world. Mais maintenant, elle était un enfant de Dieu consciente qu'elle a une relation vivante avec Jésus. Then she became a child of God, aware that she has a living relationship with Jesus. Elle pouvait maintenant parler avec Jésus directement. Speaking directly with Jesus. Et les premiers jours, le mari supportait avec. And during the first days, the husband bore it. Et ce qu'elle a remarqué avec la suite, avec le temps, and avec les jours qui ont suivi, days after, il a, comme ils avaient le type d'oreiller qui était allongé avant, je ne sais pas si ça sort encore. C'était allongé comme ça. He had that long on posait ça au chevet du lit. That we put on the bed. C'était arrondi comme ça, allongé comme ça. Il a pris ça, il a mis au milieu. Took it and he put that long, il a séparé that long le pillow in the middle of the bed, to separate. Et maintenant, elle est couchée à côté de son mari dans le cœur. She's lying beside her husband and she's praying in her heart. Il a mis la séparation. He has put a separation. C'est Jésus là qui est venu apporter la paix. Maintenant, le mari et sa femme ne s'entendent plus. So Jesus who came to bring peace. À cause de Jésus. Now the husband and the wife are disagreeing because of Jesus. Ils sont arrivés à des moments où les poules sautaient parfois la nuit. At times the husband was surprised during the night. Et grondait la femme que laisse ce que tu fais là. And was holding the wife, stop doing what you are doing. Je fais quoi? What am I doing? Je ne parle même pas. Je I'm fais not quoi? Even speaking. What have I done? Vous savez quand les gens sont loin, même quand vous priez silencieusement, ils sont mal à l'aise. When people are in certain places, when you pray silently, they are uncomfortable. Il dit, laisse ce que tu fais là, je te dis. He said, tu comprends bien ce que je dis. Stop what you are doing. Alléluia. Amen. Ça chauffe dans la ville. Jésus est venu apporter l'épée. Jesus came to bring this word. Je connais dans une autre maison quelqu'un qui a commencé à brûler les habits de son mari. Someone said, anointing the clothes of the uncle. Prier sur l'huile. Quand mon oncle lui donne les sous-vêtements à laver, les habits à laver, when the uncle gave elle donne un peu. To un wash, peu. Juste un peu. Taking a little... Il donnait parfois des sous-vêtements bizarres à sa nièce à laver. So he was giving strange pants to her niece. Alors qu'il y a les machines à laver, because he has the washing machines. On est à l'église qui commence à prendre un peu, pas beaucoup. And parce we que told her. Il ne faut pas que ces sous-vêtements se retrouvent avec de l'huile. Juste une petite goutte d'eau de message. A little amount of that oil. Amen. Amen. Elle a fait ça une, deux, trois fois. Le monsieur a dit plus jamais. Tu ne touches plus à mes sous-vêtements. You touch tu ne touches plus à rien. You no more touch anything. Même la chambre, tu n'entres plus. You no more enter my bedroom.
Jésus est venu mettre la paix. C'est la paix ça. Is that peace that Jesus came? Il va vivre en paix maintenant. La famille aussi de Jésus. Since Jesus came. Mais attends. Misunderstanding. Ça chauffe. Vous êtes là. Amen. Jésus apporte vraiment la paix. Is Jesus really bringing peace? Les anges ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. On peace, goodwill toward men. Peace. Et les mamans ici qui ont commencé à prendre un petit enfant qui était soumis là-bas au Jah. There's a mother here who anointed a child that was deaf and dumb in Oja. Lorsque ses oreilles ont commencé à s'ouvrir, when the ears of the child were, la famille s'est fâchée. The family became upset. Son père et sa mère disent, ne voyez plus jamais notre enfant. The father and the mother said, stop. Pourtant, ils avaient les résultats. Whereas they had the results. La femme avec qui tu as changé aujourd'hui, on peut l'appeler, il vient, on peut faire du bruit, il entend. Mais c'est les parents qui ont interrompu cette prière-là. The parents stopped that prayer. Si vous-même vous avez vendu votre enfant et que Jésus commence maintenant and Jesus starts à changer l'enfant, changing the child. Vous êtes ici. Amen. Jésus vient de dire quoi? Nous sommes dans Matthieu chapitre 10. In Matthew chapter 10. Verset 34. Est-ce que Jésus apporte vraiment la paix? Is Jesus really bringing peace? Un garçon était fou dans Marc chapitre 5. In Mark chapter 5. Assis dans les cimetières. Sitting in graveyards. Et il y avait un temple dans le village. And il y avait la paix dans le village. Peace in the village. Et l'élevage se produisait bien. On élevait bien le monde au village. Okay. It was all right. Depuis le passage de Jésus. But after Jesus came. Cet enfant démoniaque avait été délivré. The demonic child was delivered. Les démons fâchés se sont emprunts, ils sont entrés dans les ports. Entered in pigs. Et les ports devenus fous. And pigs became mad. Se sont jetés dans la mer. And they went to the sea. Et le trouble est entré dans le village. The trouble entered in the village. N'est-ce pas, le village était en paix avant l'arrivée de Jésus? The village was in peace before Jesus came. Depuis l'arrivée de Jésus dans ce village, non seulement la femme a guéri. Since Jesus came to the village, the mais les pigs sont devenus fous. But also pigs became mad. Quelle est la paix qui vient donner là? What is the peace he gave? En attendant le commerce des gens. But it's calling people saying. Alléluia. Quelqu'un nous a dit quelque part à Ebolova que my daughter était destinée à épouser le diable. Was supposed to marry the devil. Et ma fille and my daughter me défendait en sorcellerie. Was defending me in witchcraft. Contre mes deux premiers enfants. Against my son, my two. Et depuis que vous avez commencé vos choses là, ma fille ne vaut plus rien. You started those things, my vous avez anéanti ses pouvoirs. Daughter is now worthless. Donc je ne veux plus que ma fille traîne avec vous. So I don't want her to be with you any longer. Et elle a enlevé sa fille. And it's the daughter left. Vous êtes là. Quelle est la paix? So where is the peace? Quand Jésus entre réellement quelque part. When Jesus really comes somewhere. Selon nos observations, nous on ne voit pas la paix. We don't see any peace. Jésus, toi, les anges sont venus fêter et dire aux bergers, paix sur la terre, où est la paix là? The angels came and celebrated and said, peace on earth. Vous êtes ici? Amen. Relis pour qu'ils suivent jusqu'au verset 29, 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle, entre la belle-mère et la belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la recouvrera. Amen. Amen. Lisons une autre lecture avant qu'on ne prenne de la vitesse. Matthieu chapitre 4, verset 6 dit quoi?
Matthieu chapitre 4, verset 6, il est écrit, et lui dit, si tu es fils de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 6. Pardon, 24, verset 6. Je suis au 24. Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6, il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Qui parle ici? Jésus. Amen. Maintenant, nous revenons à notre lecture et puis nous prenons de la vitesse. Nous étions dans quelle lecture? Première lecture, c'était Luc. Luc, chapitre Luc, verset combien? Allons-y donc, lisons. C'est les lectures de Noël qu'on aime bien lire souvent. Luc, chapitre 2, verset, il est écrit, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Amen. Quand on dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime, for men loves. Il y a des gens qui pourront croire qu'il y a certaines personnes que Dieu aime. It's as if some people may think that there are some people that God loves. Et d'autres que Dieu déteste. And that others he hates. Et que maintenant Jésus est envoyé. That Jesus was sent. Il y aura la paix parmi ceux que Dieu aime. There will be peace among those that God loves. Et selon ces personnes-là, and according to them, les gens que Dieu aime seraient certainement des gens qui se comportent bien. People that God loves will surely be people who behave well. Peut-être ils ont été baptisés. Maybe they were baptized. Ils ont pris la première communion. They did the first communion. Ils se sont mariés à l'église. Married in church. Et ils s'habillent en longue robe. And they wear long dresses. Ils ne manquent jamais l'église. They never miss the church, the services of the church. Est-ce que c'est eux que Dieu aime? Are they the one that God loves? Quelqu'un me dit, non, mais c'est certainement les pharisiens parce qu'ils se comportent bien, respectent bien la loi de Moïse. C'est eux que Dieu aime. May reply, surely Pharisees are the ones that God loves because they respect the law, they follow the law of Moses. Et Dieu vient faire la paix avec eux. And God came to make peace with them. Alléluia. Mais quelque part, il n'aurait pas tort. But that would not be wrong. Parce que selon l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, in the Old Testament under the law of Moses, c'est en fonction de ton obéissance is depending on your obedience, que tu vas sécuriser l'intervention de Dieu dans ta vie. That you may have God's intervention in your life. Ça veut dire que si tu as un peu de rébellion dans tes comportements, it means that if you rebel your behavior, ne t'attends pas à ce que Dieu intervienne dans tes affaires. Don't expect God to intervene in your matters. Nous voyons cette figure là dans Jean chapitre, je crois, 9. We see it in John chapter 9. Où Jésus va guérir l'homme qui était quoi? Né aveugle. Where Jesus will heal the blind man. Quelque part les pharisiens. Ah, quelqu'un qui est un pécheur, il ne répond pas aux pécheurs. But the Pharisees will say, God does not answer the sinners. Donc si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, ne sois pas pécheur. So if you want God to do something in your life, you must not be a sinner. Sois un homme qui peut marcher droit devant Dieu. You must be an upright person. Amen. Amen.
Mais je voudrais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu crois que tout ce que les hommes considèrent comme être droit pour Dieu, droit pour eux-mêmes, est forcément droit devant Dieu? But do you think that the uprightness of man is the uprightness of God? Je te pose la question. That's a question. Est-ce que tu sais que tu peux suivre ta voie à toi que tu trouves droite, mais qui n'est pas droite pour Dieu? Do you know that you can have your way that you think it is upright, that it is not upright for God? La Bible dit que nous étions tous errants. The Bible says that you were all going astray. Chacun suivait sa propre voie. Each one was going his way. Lorsque tu suis ta propre voie, when you go your own way, tu es en train de dire à Dieu, moi-même je suis Dieu. You are saying to God, I am God too. Je connais mieux que toi et comme je veux faire les choses, c'est ça que j'estime comme la voie droite. I know things better than you and for me, this is the right way. Alléluia. J'estime que I think that parce que je suis né une fille. Because I was born as a girl. Après un certain moment donné, je n'ai plus les envies de fille. After a certain moment, I don't have the desires of girl any longer. Et pour cela, je dois devenir transgenre. That is why I must become a transgender. Je commence à prendre les hormones. And I will take hormones. Et on dit maintenant qu'il y a des filles qui ne se sentent pas dans les corps de filles et qui se sentent dans les corps de garçons. There are girls who do not feel as girls, but they feel as boys. Et selon eux, ils vont faire ce qui est droit à leurs yeux. And they will do something that seems right for them. Et dans certains pays aujourd'hui, c'est les choses qui sont droites à leurs yeux. And in some countries today, those things are right. Ils disent même qu'il n'y a plus de genre. They say that there is no gender any longer. Donc dans leur fonctionnement, Dieu ne connaît rien. So God doesn't know anything about them. Mais ça ne signifie rien que d'être une fille. So they say it doesn't mean anything to be a girl. Ça dépend de ta conception des choses. But it depends on how you conceive things. Vous êtes là. Dans certaines sociétés, ils disent que c'est l'amour qui compte. Societies, they say that love matters the most. Même si vous êtes deux personnes de même sexe, si vous vous aimez, c'est l'amour Even qui compte. If you have the same sex, if you love one another, that's all right. N'est-ce pas, c'est droit pour eux? Is it not right for them? N'est-ce pas? C'est approuvé par la loi, non? It is approved c'est approuvé by par law. Certaines sociétés, n'est-ce pas? By some societies, right? Donc la vérité de la Bible n'est même pas la vérité. So the truth of the Bible is not the truth. Gloire soit à Dieu. Glory be to God. Donc lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu, so when you start reading the word of God, vous observez que avant l'arrivée de Jésus, you see that before Jesus coming, il y a une guerre entre Dieu there is a war et les hommes, God and man, à cause du péché. Because of the sin. Il n'y a pas de paix entre Dieu et les hommes There's à no cause peace du péché. Between God and man because of the sin. À cause du péché, de l'exagération dans le péché. Because they exaggerated with sin. Nous avons vu dans certaines figures dans la Bible. We saw in the Bible. Où le feu est descendu du ciel pour consumer certaines villes. That the fire came down from heaven to burn some cities. Où l'Éternel lui-même a ordonné que certaines tribus soient totalement décimées. Where the Lord commanded the destruction of some tribes. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur donnait certaines terres à Israël. One of the reasons why the Lord was giving peace to Israel. C'était aussi pour exercer ses jugements. It was also to exercise his judgment. Il estimait que les gens de telle région exagèrent avec leur façon de faire. It turned out that some people of some regions they were operating with some behaviors. Et j'ai décidé de vous utiliser pour juger ces gens. And I have decided to use you to judge them. Entrer dans leur territoire. Just go in their land. Et tuer tout le monde. And kill everyone. Les femmes et les enfants. Women and children, don't spare et prenez le territoire. And take the land. Avez-vous vu ce genre de figure dans la Bible? Have you seen in the Bible? Qui a ordonné ces choses? Who commanded such C'est things? C'est le Dieu du ciel. Is the God of heaven. Est-ce que vous êtes ici? Donc avant l'arrivée de Jésus, so before the coming of Jesus, la colère de Dieu est manifestée de façon très facile sur la terre. The wrath of God was easily manifested on her. À cause du péché des hommes. Because of the sin of man. Donc il n'y a pas de paix
So there's no peace entre les hommes et Dieu à cause du péché. And God because of the sin. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, that is why in the Old Testament, vous voyez des figures où il y a séparation claire entre l'homme et Dieu. There is a clear separation at times between God and man. Dans le temple de Moïse, il y a une séparation, un voile qui sépare clairement la présence de Dieu de la présence des hommes. In the temple of Moses, there is a curtain that clearly separates God's presence from man's presence. Le rapport n'était pas possible. There was no relationship. Il avait dit un temps à Moïse, dit à tout le peuple, to Moses, tell to all people, de s'éloigner de la montagne où ma présence se manifeste. Depart from the mountain where my presence is manifested. Quiconque s'en approchera, même si c'est une bête, come close to me, even a beast, ma colère va s'abattre sur lui. My wrath will come et down va mourir. Them and they will die. Même le grand prêtre du temps de Moïse avait peur lorsqu'il devait entrer dans la présence de Dieu. Even dans le temple. The high priest in Moses' time was afraid when he entered God's presence in the temple. Il savait qu'il pouvait être tué dans la présence he de Dieu. He could have been killed in God's presence. S'il n'obéissait pas à certaines règles. If he did not obey some rules. S'il n'approchait pas Dieu de la manière que Dieu exigeait. If he did not go near God, close to God in the way that God has planned. Donc dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus. So in the Old Testament before Jesus coming. Pour s'approcher du Dieu saint. To go near the Holy God. Du Dieu très saint. The Holy God. Le Dieu du ciel exigeait que le pécheur s'approche de lui avec un animal dans les mains. The God of heaven was requiring the sinner to come to him with an animal. L'animal était innocent. And that animal was innocent. Et l'homme qui s'approchait de Dieu était coupable de ses péchés. Going close to God was guilty of his sins. Donc lorsque le prêtre au temple voyait un homme venir avec un animal. So when the priest in the temple saw a man coming with an animal. Au temple. In the temple, to the temple. Le prêtre examinait l'animal. The priest would just examine the le animal. Le prêtre comprenait que si cet homme vient avec cet animal, and he understood that if the man came with the animal, c'est parce qu'il porte des péchés. It's because he is bearing sin. C'est parce qu'il souhaite que le problème de son péché soit réglé. It is because he wants the problem of his sin to be dealt with. Afin qu'il puisse être en paix avec Dieu. So that he may have peace with God. Afin qu'il puisse être épargné de la colère de Dieu. For God's wrath. Donc à cette époque-là. So at that time. La colère de Dieu est très forte dans le monde. God's wrath was really et heavy. Et pour essayer d'apaiser la colère de Dieu. And to appease that wrath. Quand un pécheur. When a sinner, conscient de ses péchés, aware of his sin, s'approche de Dieu, went close to God, il sait qu'aucune relation n'est possible entre lui et le Dieu saint. He knew that no relationship was possible between him and God. Il vient avec un animal. He came with an animal. Est-ce que quelqu'un est là? Le thème de mon message ce matin, c'est que la guerre est terminée. Today's theme is the war is over. Avant l'arrivée de Jésus, before Jesus coming, le péché de chacun était mis dans son propre compte et chacun devait répondre de ses péchés devant le Dieu du ciel. The sin of everyone was put in their own account and they had to react to it. They were judged for it before the God of heaven. Il y avait donc une séparation entre l'homme et Dieu. So there was a separation between God and man. Les animaux qu'ils apportaient dans la présence de Dieu pour régler le problème du péché. The animals they brought in God's presence to solve the problem of sin. C'était des solutions temporaires. Were temporary solutions. Qui traitaient du problème du péché de façon temporaire. They were dealing with the problem of the sin in a temporary way. C'était des choses qui annonçaient déjà ce que Jésus devait venir faire. Those things were announcing what Jesus would come and do. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Je vais lire avec toi quelque chose. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Let us turn our Bible in Isaiah. La guerre est terminée. Verse 1 to 2, the war is over. Ésaïe 59, versets 1 à 2, il est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous empêche d'être écouté? Ce sont vos péchés. Et il y avait donc
pas de paix entre l'homme so et Dieu. No peace between God and man. À cause du péché. Because of the sin. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas véritablement régler le problème du péché. Blood of bulls and goats could not have solved the problem of sin. Malgré les sacrifices des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament, sacrifices of bulls and goats in the Old Testament, la colère de Dieu subsistait. God's wrath was still there. Parce que ces sacrifices ne pouvaient pas absorber toute la colère de Dieu contre le péché du monde. Able to absorb the wrath of God against the sin of the world. Et il fallait les renouveler constamment. And he had to renew them constantly. Et la colère de Dieu subsistait. And the wrath of God was still there. Il n'y avait pas de paix entre l'homme et Dieu. There was no peace between God and man. Mais il a fallu que Jésus vienne. But Jesus had to come. Jésus est venu faire la paix. Jesus came and he brought peace. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu venir de loin, when the Baptist saw him coming from il far, s'est réjoui et il a dit, he rejoiced and said, voici l'agneau de Dieu. This is the Lamb of God. Qui enlève quoi? That takes away the sin of the world. Le péché de qui? Du monde. Tout le péché du monde. The world sin of the world. Jésus l'a pris sur lui dans son Jesus corps. It on him in his à la croix du calvaire. At the Calvary's cross. Et toute la colère de Dieu contre le péché du monde. Of God against the sin of the world. A frappé Jésus. Went on Jesus, upon Jesus. Est-ce que quelqu'un est là? L'innocent. The innocent. Sans péché. Sinless. A pris dans son compte tes péchés. Bore in his account your sins. Et lorsque dans son compte il a pris tes péchés, when he took your sins into his account, les conséquences de tes péchés se sont abattues sur the lui. Consequences of his sin went upon him. Il est mort. He died. Jésus est venu t'offrir une nouvelle relation avec Dieu. Jesus came to offer to you a new relationship with God. Il est venu mettre la paix entre Dieu et toi. He came to bring peace between God and you. Allons dans Romains chapitre 5. Turn, listen our Bible in Romans à partir du verset 5. 8. La guerre est terminée. Amen. The war is over. Romains 5, verset 8. Au Romains 5, verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, while we yet sinners, Christ est mort pour nous. Christ est donné pour nos péchés. Christ gave himself for our sins. Christ est mort pour nous. He died for us. Donc lorsque les anges se réjouissent, so when the angels dans Luc chapitre 2 au verset 14, 2, verse 14, gloire soit rendue à Dieu, glory be to God, et paix sur la terre, and peace on earth, aux hommes que Dieu aime, towards men, la paix que les anges annoncent, the peace announced by angels, la paix qui est le sujet de réjouissance des anges, the peace that is the à la naissance de Jésus, of, at Jesus' birth, c'est la paix, is the peace que Dieu va that God faire avec les hommes. Will make with men. C'est la paix is a peace que Dieu va offrir aux hommes. That God will offer une to relation a relationship nous est offerte is offered to us par le Dieu des cieux. By the God of heaven. Une relation dans laquelle a relationship in which il place tous tes péchés, tous nos péchés, all our sins dans le corps de Jésus. In Jesus' body. Et toute sa colère. And all his wrath. Contre tes péchés. Against your sins. Contre mes péchés. Against my sins. Ça part dans le corps de Jésus. Set upon Jesus' body. Ce qui fait que Jésus, Dieu te regarde. That is why God looks at malgré you. Malgré tes péchés. Despite your sins. Il t'aime. He loves you. Malgré tes péchés. Despite il vient vers toi. Comes to you. Il va vers des prostituées, il est sauf. He goes to harlots. Où est la barrière? Where is Jésus barrière? Est enlevé. Jesus has taken it away. Il va vers des bandits. He goes to thieves. Il leur parle. He speaks to them. Sans aucune barrière. Without any où est barrière? Passé le Dieu saint? Where is the Holy God? N'est-il plus le Dieu de l'Ancien Testament? No more the God of the Old Testament. Aurait-il changé? Has he changed? Il est toujours saint. He is still holy. Et juste.
and righteous. Il opère sur une base légale. And operates on la base légale, c'est laquelle? And the legal ground is ce qu'il t'a tant aimé. That he so loved you. Qu'il a suscité pour toi quelqu'un. That he raised someone for you. Qui prendrait tes péchés. That will bore your sins. Qui prendrait les conséquences de tes péchés. That will bore the consequences of your sins. Il a suscité quelqu'un. He raised someone. D'innocent. Innocent. Qui prendra sur lui ta culpabilité et va t'offrir son innocence. To you is innocent. Tu fonctionnes avec l'innocence de Jésus. You are using Jesus innocent. Voilà pourquoi chaque fois que tu approches Dieu, that is why each time tu ne l'approches jamais seul. You never go to him alone. Tu l'approches au nom de Jésus. But you go to him in Jesus' comme name. Comme quelqu'un qui approche Dieu dans l'Ancien Testament avec un capri. As someone that went to God the Old Testament with a goat. Avec un agneau. With a lamb. Toi, tu approches Dieu aujourd'hui. Today you go to God. Par la foi en quelqu'un qui est mort pour toi. To faith in someone who died. Par la foi en quelqu'un qui était innocent. Someone who was innocent. Et qui est devenu coupable pour toi. And who became guilty. Où est passée ta culpabilité? Where Jésus is your sin? Jesus bore. Où sont passés tes péchés? Jésus les a portés. Jesus bore. Pourquoi Dieu vient vers toi? Why is God coming to you? À cause de Jésus. Because of Jesus. Est-ce que vous êtes ici? Et il y a une relation que Moïse n'avait pas avec Dieu, que David n'avait pas avec Dieu. David did not have a certain relationship with God. Qu'Élie n'avait pas avec Dieu. Elijah did not have it too. Cette relation-là, toi, tu l'as avec Dieu. But you have that relationship with God. Un homme comme toi, Dieu déclare à ton sujet. God says about someone like you. Voici, je suis avec toi. Behold, I'm with you. Tous les jours. Every day. Jusqu'à quand? Est-ce que quelqu'un a cru en Jésus ici? Cette promesse-là s'attache à toi. Promise le Dieu to du you. Ciel dit, voici, je suis avec toi the tous God les jours. Says, I'm with you tous all les jours. Days, all days. Dis-moi, tu es bon tous les jours. Are you good every day? Il y a un peu d'impudicité en toi de temps en temps, non? Je te pose la question. Parce que c'est une lecture bizarre dans les Écritures. Depuis la mort de Jésus, c'est pour ça que vous avez dit que les affaires de grâce là, ça autorise le péché, le péché. That is why you say ah. That matters of grace is actually licensing. Quand vous êtes en train de fonctionner comme ça, vous êtes en train de dire, moi je n'ai pas la relation avec Jésus, je préfère la relation avec Moïse. When you are thinking like that, you say, I don't like the relationship with Jesus, but I prefer the one with Moses. Parce que là-bas, quand tu faisais un petit truc, on te frappait. Because when you were doing, when you were sinning, you were stricken. Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu peux donc véritablement vivre la relation que tu dis là? Parce que même dans tes pensées, quand tu fais, le Dieu du ciel voit. Are you sure that you can hear? Et c'est que tu mérites, c'est toi, d'être frappé. Because even in your thoughts, you sin and you deserve to be stricken. Le châtiment qui nous donne la paix. The chastisement of our sins was upon him. Est-ce que Dieu est là? Amen. Quand tu diras, même moi, je n'ai pas commis de grands péchés. When you say I have not sinned, moi je peux prier en paix. I can pray. Parce que je sais que je me sanctifie. Because I know that I sanctify myself. Donc tu vas devant Dieu avec ta sanctification. So you go to God with your sanctification. Qui est une bonne chose. That's a good thing. Mais ta sanctification, but elle sanctification te préserve preserves you les attaques du diable. From attacks of the devil. Est-ce que tu me suis? Elle t'aide à avoir une lucidité quand tu cherches Dieu. It helps you to be lucid when you seek God. Mais toute ta sanctification rassemblée, Dieu m'a dit que mais ce n'est que comme un vêtement souillé. Je ne te reçois pas sur la base de ce que tu as fait. Je te reçois parce que tu viens avec quelque chose en main. Comme dans l'Ancien Testament là. I'm not receiving you. Tu viens avec quoi? Un agneau. Cet agneau, c'est qui? Ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un taureau. C'est qui? C'est Jésus. But that lamb is Jesus. Et à cause de Jésus, le Dieu Saint est en paix. Has peace. Avec un homme comme toi. With someone like you. Toi qui es durable en tout moment. Tu peux être bien peut-être 3 jours, 2 jours, 4 heures, 5 heures. 4 hours, 5 hours. Ça se déclenche. When it starts. Amen. Après même tu t'assois, les pensées viennent, vont maintenant dans le péché. You think about sin. Tu peux vraiment satisfaire la sainteté de Dieu. Can you really meet God, the requirements of God? Je te pose la question. Tu peux donner à Dieu ce qu'il exige de toi. What he requires from you. Tu ne peux pas. You cannot. Tu t'assois à peine, les pensées sont encore.
Les conseils sont, elles sont pas bonnes. Il y en a qui se sont assis à l'église, ils ont commis déjà l'impudicité selon Dieu plusieurs fois. There are some people who are sitting in the church, but they have committed sexual morality according to God many times. Ils ont regardé leurs voisins avec mépris. They look at the neighbor with contempt. Dieu l'a-t-il vu ou pas? Has God seen it or not? Il y en a d'autres qui sont assis dans la salle. There are some people sitting in the hall. Ils ont pensé à la femme de Troubi. Dieu l'a-t-il vu cela ou pas? Else, why? Has God seen it or not? Il y en a qui sont assis dans la salle, la Bible dit tu ne convoiteras pas. Ils ont déjà convoité. Should not travail, they have already done it. Ils ont vu les chaussures de terre. They desire the shoes of that. Est-ce que Dieu voit cela? Does God see it? Est-ce que c'est un péché? Is it a sin? Selon la loi de Moïse, tu ne convoiteras pas, n'est-ce pas? Should not convoit. Tu crois vraiment que tu peux t'approcher du Dieu trois fois saint avec ta sainteté? You think that you can go to the thrice holy God with your holiness? Nous sommes dans Romains chapitre 5. Commence au verset 8. On commence. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, un innocent s'est livré pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. While we had sinners, an innocent man gave himself that we will have a relationship with God. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a tant aimé. God so loved me. Quand je pense que un comme moi, when I think that someone like j'ai me, une relation avec le Dieu I have Saint. A relationship with the Holy God. Et je vais même jusqu'à confirmer, jusqu'à déclarer des choses du genre Dieu et moi sommes un. And I even declare things like c'est God pas moi qui déclare, c'est one. Sa parole qui déclare. Celui qui s'unit à Dieu devient un seul esprit avec so, Dieu. One who is united to God becomes one spirit with Him. Toi et le Dieu Saint, vous êtes unis. Sur quelle base? God, sur la base de ce que Jésus a fait. Based on what Jesus did. Qu'est-ce que Jésus a fait? What has Jesus done? Il a pris ta culpabilité. He took your guilt. Il t'a donné son innocence. And He gave you your innocence. Donc, His innocence. Si tu dois te définir aujourd'hui. So if you have to define yourself. Si tu dois véritablement voir ton identité selon Dieu aujourd'hui. If you have to look at your identity according to God today, ton identité c'est en termes de quelqu'un d'autre. Your identity is in terms of someone else. Est-ce que quelqu'un me suit même? Amen. Je reprends. Lorsque Jésus est allé à la croix, when Jesus went to the cross, les yeux des hommes pouvaient voir. The eyes of men were seeing. Tes yeux et mes yeux. Your eyes and I. Qui n'avait commis aucune faute. When seeing that he did not see it. Aucun péché. He did not see it. Rien de mauvais. He did not do any bad thing. Mais les yeux de Dieu le voyaient autrement. But the eyes of God were seeing him differently. Les yeux de Dieu le voyaient coupable the de ton. The eyes of God were seeing him guilty of you. Coupable de tes péchés. Guilty of your sins. Quand les yeux de Dieu le regardaient, when the eyes of God were looking at him, il n'avait commis aucun péché. He has not sinned. Mais il était devenu péché. But he had become sin. Il avait porté sur lui tes péchés. He had borne your sin. Toutes ses actions étaient bonnes. All his actions were good. Mais sa nature à l'intérieur était déjà polluée, souillée, chargée de tes péchés. Full of your sins. Si on devait le regarder sur la base de ce qu'il avait fait, if they were to qu'est-ce say, qu'il avait fait de mauvais? What bad thing has he done? Donc il était défini en termes de toi, son identité, c'était toi. So it was defined with you. You were his identity. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a dit à quelqu'un dans le monde. And he said to someone si world, tu peux croire en Jésus, if you can believe in Jesus, je te donnerai l'identité de Jésus. I will give you his identity. Pour que tu fonctionnes avec son identité. So that you may use it. Je te donnerai son identité. I will give you his identity. Tu pourras alors fonctionner avec ses empreintes digitales. You may use his fingerprints. Je te donnerai son identité. I will give you his identity. Tu pourras fonctionner avec son esprit. You may use his spirit. Je te donnerai son identité. I will give you his identity. Tu pourras t'asseoir là où il s'assoit. You may, will be able je te donnerai son identité. I will give you his identity to you. Et tu pourras jouir de ce dont il jouit. And you may enjoy what he has. De même qu'il a pris mon identité dans le péché. As he bore my identity in sin. Ça lui a coûté la mort. And because of that he died. De même qu'il a pris mon identité dans le péché. As he bore my identity in sin. Il a prié. He prayed. Il ne s'est pas exaucé.
His prayer was not answered. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He said, my God, je crie à toi et tu ne me réponds pas. Prayer to you, but you do not answer. Il avait ton identité. He had your identity. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a décidé que un homme dans ce monde. That someone. S'il peut croire en Jésus. A strange person in this world. Il aurait changé Jesus. The identity will be exchanged. The identity will be exchanged. Échange d'identité. The identity will be exchanged. Depuis la minute où tu as cru. From the very moment. Échange d'identité. I exchange of identities. Échange d'identité. Exchange of identities. C'est pour ça que je dis que si, selon Dieu, si tu dois te définir, définis-toi en termes de quelqu'un d'autre. So if you have to decide yourself, you will use other terms to decide yourself. Si on ne veut pas ton identité, if you answer your identity, Dieu ne veut pas que tu présentes toi-même, il veut que tu présentes celle que tu, il t'a donnée. The Lord doesn't want you to present, to introduce yourself, but he wants the one that he gave to you. Si on demande si tu es malade, il dit non, donne-lui une bonne identité. If they ask, if you are sick, you say no, give them a good identity. Il demande si tu es un pécheur, dis-lui. If he asks if you are a sinner, you say no. Give them a good identity. Dis-lui, je suis juste. Tell him I am righteous. Et on te demande ton identité. Laisse te fouiller tes poches. Donne-lui l'identité que je te donne. When he asks, when your identity is asked, just reply what is the answer. Est-ce que tu es ici? Amen. Un jour, on a demandé à Jésus, tu dis que tu es roi. Est-ce que c'est vrai? When they ask you, Jesus, they say you claim you're a king. Is that true? Il n'avait rien de royal en apparence. He has no royal thing apparently. Mais il a accepté son identité. Il dit, tu but he accepted his identity. Je suis effectivement roi. You said it. I am truly a king. Est-ce que tu connais même ton identité? Do you know your identity? C'est pour ça que la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde. That is why the word of God says God so loved the world. Qu'il est venu dans ce monde. As he came here. Pour procéder à l'échange d'identité. To make an exchange of identity. Il donnera à quelqu'un dans ce monde l'identité de Jésus. He will give to someone in this world Jesus' identity. Et cet homme pourra avoir accès à sa présence. And that person will have an access to his presence. N'as-tu pas remarqué que dans tout ce que tu fais devant Dieu, tu le fais au nom de qui? Au nom de qui? Jésus. C'est comme si tu n'existais plus. Devant Dieu, tu n'existes plus. Before God, you don't exist any longer. Et il va dire tel il est. And he said, as he is, tel tu es. You are also. Utilise l'identité qui t'est donnée. Use the identity that is given to you. Regarde cette identité. Look at that identity. Et sers-toi de cette identité. And use it. C'est cette identité qui te donne la paix avec Dieu. Because of that identity, you have peace with God. Être en paix avec Dieu, ça veut dire être en bonne relation avec lui. Means that you have a good relationship with him. Donc tu iras au ciel pas parce que tu auras réussi à être plus bon que les autres. So you go to c'est bien être bon. You are better than the others. It's a good thing to be a good person. Être bon. Marcher dans la vérité. Walking true. Marcher dans la sainteté. Walking holiness. Ça vous aide même dans la société. It helps you even in society. Mais la Bible dit que alors que tu étais encore pécheur, Dieu t'a aimé. While you were yet a sinner, God loved you. Il t'a aimé, tu n'avais même pas encore commencé à te sanctifier même une seconde. Il t'a aimé de tout son amour. Sanctify yourself. He loved you with all his love. Comme pour dire que ce n'est pas, tu n'es pas aimé à cause de ce que tu fais. Tu es aimé. Love because of what you do. Parce que lui, il t'aime. Because he's good and he loves you. Est-ce que tu es là? Amen. Ta bonne conduite est bien. It's a good thing to behave well. Elle limite l'action du diable dans ta vie. Because it limits the action, the plan. Ta bonne conduite est très bien. Your good conduct is a good thing. Mais Dieu ne te déteste pas. But il God ne t'aime pas davantage à cause de ta conduite. Or he doesn't love you more because of your conduct. Parce que toute la conduite de Jésus était bonne à la croix, mais Dieu l'a rejetée parce qu'il portait quelque chose. Quelque chose qu'il portait, c'était quoi? Ton identité. Because Jesus was rejected on the cross because he had his your nature, your identity. Est-ce que tu me suis? Amen. Dis, je porte l'identité de Jésus. Say, I bear Jesus' identity. C'est pour ça que Dieu me traite comme Jésus. That is why God deals with me as Jesus. Il ne m'abandonnera pas. He will never forsake me. Il ne me délaissera pas. He will never leave me. Donc, à Hébreux 13, verset 5.
So in Hebrews 13, et dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Forsake nor leave you. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. I will never forsake you nor leave you. Donc dans Luc chapitre 2, verset 14, les anges se réjouissent. Parce que ce genre de relation n'a jamais existé auparavant. I rejoice because such relationship has never existed before. Une relation de paix entre le Dieu saint of peace between God and man. Le Seigneur vous a offert sa paix au travers de Jésus. Offered his peace to you through Jesus. Est-ce que vous êtes ici? Tu n'as pas compris. Finis la lecture là, jusqu'au verset 13. Romains 5. Romains 5, verset 7, verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous serons sauvés par de lui de la colère, n'est-ce pas? We shall be saved from wrath through him. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Nous avons été réconciliés avec Dieu par quoi? We were reconciled to God by the death of his son. Par notre propreté? Is it because we par notre bonne moralité? Or we are nous avons été réconciliés avec Dieu par quoi? La mort de son fils. Par notre longue robe? Par la grosse barbe? Avec notre robe de diacre? Je te pose la question. Nous avons été réconciliés avec quoi? We are reconciled. La mort de son fils. Parce qu'on n'a pas de tatouage? Non. Parce que vous avez dit que même les hommes qui ont les locks là, Dieu ne peut même pas l'écouter. La réconciliation n'est pas possible. N'est-ce pas? Il a les locks. Il porte deux tatouages. C'est ça que la religion nous enseigne. Et c'est ça que vous-même vous savez. This is what religion teaches to us and this is what parce que Dieu n'aime pas n'importe qui. Dieu lui aime les gens réglos. God loves people who are bright. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir un bon comportement? Non! But is it a bad thing to have a good behavior? No. Les mauvais comportements, le péché va donner accès au diable dans ta vie et le diable ne vient que pour égorger et détruire. The bad behavior will bring the devil in your life and it comes. Dieu t'aime toujours. God still loves you. Dieu t'aime toujours. God still loves you. Dieu aime toujours. He still loves you. Et Dieu n'est pas là pour te détruire. And he is not there to destroy you. Il t'aime toujours. He still loves you. Tu as la chance, c'est à cause de ce que Jésus a subi. And your lucky is because of what Jesus passed through. C'est à cause de ce que Jésus a subi. It's because of what Jesus passed through. Que tu peux te tenir devant Dieu. That you can stand before God. C'est le sang de Jésus. It is the blood of. C'est le sang de Jésus. It is the blood of voilà Jesus. Pourquoi les anges sont dans la joie. That is why angels are happy. Parce que une nouvelle relation est introduite dans le monde. Because there's a new relationship that is now to entre les hommes et Dieu. Between man and God. C'est la relation que Jésus vient initier. The relationship that was initiated by Jesus. Au travers de cette relation-là. Through that relationship. Les multitudes peuvent revenir à Dieu. Multitudes can come back to God. Au travers de cette relation-là. Through that relationship. Les hommes peuvent aller au paradis. Man can go to heaven. Au travers de cette relation-là. Through that relationship. Il y a la paix entre Dieu et les hommes. Between God and man. Est-ce que vous êtes là? C'est grâce à ce que Jésus a fait. It is thanks to what Jesus did. Si Jésus n'était pas intervenu, sur la scène, je suis sûr qu'il y a beaucoup de régions dans le monde que la colère de Dieu aura déjà effacée. I'm sure that there are many regions in the world that the wrath of God will destroy. Où est passée toute cette colère de Dieu qu'on voyait dans l'Ancien Testament? That wrath we saw in the Old Testament. Elle est passée dans le corps de Jésus. It entered in Jesus' body. Est-ce que vous êtes là? Elle est passée où? La loi de Moïse ne sauve que ceux qui sont performants, qui se comportent bien. The law of Moses saves only those who are performant, those who behave well. Si tu peux être parfait, la loi peut te sauver. If you can be perfect, the law can save. Mais où sont les hommes parfaits? But where are perfect men? Où sont-ils? Where are they? Jésus est aussi entré dans ce monde. Jesus also came in this world. Pour sauver ceux qui ont échoué sous la loi de Moïse. To save those who failed under the law of Moses. En accomplissant pour eux la loi de Moïse.
By fulfilling the law of Moses for them. Afin qu'ils puissent jouir des bénéfices de l'obéissance de Jésus. So that they may enjoy the benefits of Jesus' obedience. Maman lit jusqu'au verset 13. Nous sommes dans Romains 5. Car ainsi, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par la mort de son fils. Lorsque quoi? Nous étions ennemis. C'est quel temps là-bas? Nous étions. Et nous sommes quoi? Amis. Moi, je crois que l'affaire d'amis là, c'est David. C'est Daniel. C'est Paul. Daniel, c'est les grands noms Paul de la Bible. And the great names of the Bible. Donc, si tu es devenu ami de Dieu, so you too became a friend of God. Ton nom est dans son livre. Your name. Est-ce que tu crois en Jésus? Ne te diminue plus. Je veux que tu marches avec fierté, avec assurance dans la présence du Dieu. The presence of the living God. Que Satan ne t'accuse plus. That Satan may no longer accuse you. Réponds à ses accusations d'une autre manière. Lorsque nous étions quoi? Ennemis. Oui. When we were enemies. Si nous ne sommes pas et nous ne sommes plus ennemis, nous sommes déjà amis. If you are no longer la enemies, guerre est terminée. Friends, the war is over. Jésus est mon ami. Dis à ton voisin, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Si un pharisien était dans la salle, il allait dire que vraiment c'est Jésus. If a Pharisee was there, he would have said that Jesus is awkward. Si vous pouvez même savoir les qui disent que Jésus est mon ami là vraiment, il allait les détruire tous. Those who say that Jesus is my friend, he would have destroyed them all. Parce que celui-là qui vient de dire Jésus est mon ami là depuis 4 jours il est en haine, depuis 2 jours il est dans telle relation, dans 4, depuis 9 mois il n'a pas voulu pardonner tel, depuis l'autre l'a volé ce matin, il dit mon ami, alléluia. C'est ça vraiment. Jesus calls you. La grâce my et le friend, péché. No matter what you have done, this is really grace and sin. Voilà comment on va qualifier les choses. So this is how things will be. Mais je veux dire que le péché ne sera jamais ton ami. But I want to tell you that the sin will never be your friend. Même si Dieu a fait la paix avec toi. Even if God has made peace with you. Entre dans une relation avec le diable par le péché. You start a relationship with the devil through the sin. Sous le regard de Dieu, Satan te ronge. Other gods look, Satan will destroy you. And he will have respect for your charge. Est-ce que tu me suis? Va voler chez ton voisin, on te met en prison. Senior, est-ce que Dieu t'aime toujours? Oui. The God still loves you. Yes. Vous croyez que Dieu aime les gens qui sont en prison là-bas? You think that God loves those who are in prison? Mais ils ont fait quelque chose pour être en prison. But they did something to be. Est-ce que Dieu les aime toujours? Does God still love them? Mais ils portent les conséquences de leurs actions. They are bearing the consequences of their actions. Donc bien que Dieu t'aime toujours. So though God still loves you. Ne profite pas de cela pour dire maintenant donc qu'il m'aime toujours, la relation est sécurisée, alors je peux me plonger dans le péché, ça veut dire que je comprends rien. So don't take advantage of that, saying that God still loves me and so I can see. It means that you have not understood anything. Tu ne comprends rien. You don't understand anything. Dis avec moi, Dieu m'aime. Et God loves me. Et je suis en paix avec lui. And I have peace with him. Il n'est pas contre moi. He's not against me. Tout ce qu'il avait contre moi. Anything he had against me. Il l'a eu contre Jésus. Had it against Jesus. Et si j'ai une relation avec Dieu aujourd'hui. With a relationship with God today. C'est grâce à Jésus. It's thanks to Jesus. Je dois tout à Jésus. I owe everything to Jesus. C'est ça la bonne nouvelle. That is a good tidings. C'est que des gens un genre là. That awkward people, ils ont une relation avec Dieu. They have a relationship with God. Ils disent même je suis sauvé. They even sing and sing. Je suis sauvé. Hey, hey, hey. Je suis sauvé. Hey, hey. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est grâce à ce que Jésus a fait. To what Jesus did. Lise la suite. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Nous avons été réconciliés par quoi? La mort de son fils. Si tu rejettes la mort de son fils, if tu rejettes Jésus. Son, you reject Jesus. Les indulgences ne te sauveront pas. Non, indulgence will save you. Rejette Jésus de ton vivant, même si ton pasteur prie pour toi quand tu es mort. If you reject Jesus when you're alive, even if your pastor prays for you when you are dead, nous avons été réconciliés avec Dieu par la prière de notre pasteur. We reconciled to God through the prayer of our pastor. Par l'intercession d'un saint. Or the intercession of a saint.
Je te pose la question. No. C'est gratuit. It is free of charge. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a donné, donné. C'est un don. It is a gift. Un don gratuit. A free gift. Le salaire du péché, c'est the quoi? The wages of sin is there. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? The gift of God. Le don gratuit. Si on doit prier pour que tu laisses le don gratuit. If you will have to pray for you to have this dollar or free gift. Tu n'as plus un don gratuit. Quelqu'un est venu me forcer, forcer, et puis je lui ai donné. Ce n'est pas un don gratuit. Someone forced me and gave it to him. Est-ce que tu me suis? Free. C'est maintenant que tu choisis. It is now you have to choose. C'est maintenant que tu ouvres ta vie à Jésus. You open your life to et Jesus. C'est aussi maintenant que tu peux décider de also le rejeter. Now that you can decide to reject him. Quand tu seras mort, ce sera tard. When you die, it will be late. Quand tu seras mort, ce sera tard. When you die, it will be late. Parce que quelqu'un dit non, les ancêtres sont plus proches de Dieu. When someone says the ancestors ils peuvent intercéder pour toi. They can make intercession for you. Si eux-mêmes sont perdus, tu sauras comment. If they are lost, how will you know? Et ils vont faire quel genre d'intercession pour toi? And which kind of intercession will they make for you? Les ancêtres vont vous noyer. Alléluia. Jésus, lui, il est là maintenant et Jesus c'est un don gratuit, c'est maintenant. And it's a free gift and it is now. Maintenant. Now. Lis la suite. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Amen. Imputé. C'est un mot que je voulais que tu retiennes. Imputé. Imputé veut dire mettre dans le compte. Imputé means to put in an account. On est en train de finir. Lis maintenant Romains chapitre 4. Now read in Romans chapter 4. Commence au verset 6. Romains chapitre 4, verset 6, il est écrit: de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu met dans son compte que cet homme-là est juste, sans tenir compte de ses actions. Parce qu'il a cru en Jésus. Because he believed in Jesus. Vas-y. Heureux sont dans les iniquités. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Arrête là. Vous savez que quelqu'un est heureux dans cette salle. You know that you are blessed here. Il dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas. Il n'impute pas. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Il ne met pas dans son compte. He does not put it in his account. Son péché. Il met dans le compte de qui? He put it in his account. Cet homme-là se présente devant Dieu avec l'agneau de Dieu. That man goes to God with the lamb. Et quel est le travail de l'agneau de Dieu? What is the work, the lamb of the word, the lamb? Quel est le travail de l'agneau de Dieu? What is the lamb of God supposed to do? Y a-t-il des jours où tu te présentes devant Dieu sans l'agneau de Dieu? Are there days when you go to God without the lamb? Chaque fois que tu pries, c'est avec l'agneau de Dieu, non? Each time you pray, it's with the lamb. Of God. Il dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point. Il n'impute point. Blessed are they whose iniquities are forgiven. Dieu est-il devenu quelqu'un qui cautionne le péché? Someone that allows sin. Il dit regarde ton compte, il n'y a pas de péché. Look at your account, there's no sin. Seigneur, je ne comprends rien. Lord, I don't understand. Je sais moi-même que je ne suis pas très réglé. I know that I'm not upright. Tu dis que tu es heureux l'homme à qui tu n'imputes pas le péché. Je veux voir cet homme-là. I want to see that man to whom you will not. Et Dieu dit cet homme-là, c'est toi. And God says you are the one. Le péché est dans le compte de qui? De Jésus. That sin is à la croix. Where? At the cross. Jésus a déjà été frappé pour ça. Jesus has already been
triggered for that. C'est pour ça que un comme toi se tient devant le Dieu trois fois saint. That is why someone like you can stand before the triumphant God. Sans être frappé. Without being stricken. Pourquoi? Parce que la guerre est terminée. Because the war is over. Et qui est venu mettre un terme à la guerre? And who put an end to the war? Jésus, par son sacrifice. Jesus through his sacrifice. Il n'y a plus de guerre entre Dieu et toi. There's no more war between God and you. Dieu n'est pas là à aller à longueur de journée à chercher le moindre, la moindre petite faute pour te cogner. God is not there seeking for the any mistake to flog you. Il n'est pas là pour chercher le moindre petit péché dans ta vie pour dire je te réponds pas. He's not seeking any sin in your life to say I won't answer to you. À moins que tu fasses 4 heures de confession. Unless you confess within 4 hours, I will not answer to you. Vous êtes ici. Amen. Et d'abord, comme à cause du péché, là, tu n'es plus né de nouveau. Il faut que tu renaisses de nouveau. And because of that sin, you are no more born again. You have to be born again. Et souvent, on voit dans certains événements, il y en a qui sont nés de nouveau, ils sont nés encore et renaissent. Demain, ils sont nés de nouveau. Et puis le soir, ils vont renaître de nouveau. Parce que selon eux, la moindre erreur qu'ils ont faite, ils sont perdus. And so people are born again and again and again, over and over, because for them, the little mistake, because of the little mistake that they have done. Que vous ne comprenez pas le don que vous avez reçu. So it means that you do not understand the gift you received. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans votre vie. You do not understand what happened in your life. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'implique pas son péché. Le Seigneur le remarque. The Lord will not impute sin. Il dit parce que j'ai placé ça en Jésus. The Lord will say because I put it in Jesus. Et j'ai placé Jésus en toi. And I put Jesus in you. Tu es différent. You are different. Tu es différent. You are different. Il n'y a plus donc de barrière de séparation entre toi et moi. So there is no longer spiritual barrier between you and I. Ne me cherche plus au ciel. Don't stop seeking me in heaven. Je suis pas loin de toi. I'm not far from you. Toi et moi nous sommes un. You and I are one. Est-ce que vous comprenez cet homme-là? Il parle à cet homme au sujet de cet homme et dit des sources d'eau vive jaillissent de lui. He says, man, that springs of living water shall come out. Il y a les prières que David pouvait faire, c'était normal à son époque. That David could have done because it was normal in his time. Il y a les prières que Jérémie pouvait faire, c'était normal à son époque. That Jeremiah could have done because it was normal in his time. Donc il y a certaines prières que si tu les reprends, elles ne sont pas du tout en règle. Elles ne sont pas du tout en règle avec ce que Jésus a fait. There are some prayers when you make them, they are not conformable with what Jesus did. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Dans le psaume 51, par exemple, David se répand de ses erreurs. In Psalm 51, for instance, David repents about his mistakes. Allons dans le psaume 51. Let's turn our Bible to Psalm 51. Il y a des promesses qui sont attachées à toi parce que tu es dans une alliance qui est supérieure à l'alliance sous laquelle David et les autres ont vécu. There are promises for you. Jésus est la raison pour laquelle cette relation-là t'est donnée avec Dieu. Jesus is the reason why that relationship is given to you with God. C'est une relation qui t'a été offerte. That's a relationship that was offered to you. Cette relation-là t'a donné ce que tu ne mérites pas. And it gave what you do not deserve. Et que tu ne mériteras jamais. And that you would never deserve. Elle est le produit du travail de quelqu'un d'autre. Son That's nom c'est Jésus. That's product of the work of someone else called Jesus. Psalm 51. From Psalm 51. Psalm 51. Il est écrit: lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Oui. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés
efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Cast me not away from thy presence. Il dit à son sujet, je ne t'abandonnerai jamais. He says, I will never forsake you. Et je ne te laisserai jamais. And I will never leave you. Il ne dit pas à condition que tu te comportes parfaitement comme je l'exige. The condition is that you have to behave perfectly as I want. Est-ce que tu es ici? Jésus n'avait aucune mauvaise action dans son comportement. Mais il était rejeté. Parce qu'il portait une mauvaise nature. C'était ta nature. Because he was bearing a bad nature that was yours. Donc je vais dire à quelqu'un ici que le fait que Jésus soit en toi, the fact that Jesus is in you, parce que tu as cru en lui, because you are believing him, le temps où tu te livres à tes erreurs, when you are making mistakes, Dieu ne t'a pas rejeté. God does not reject mais you. Satan te récupère but et te tabasse même si tu es un enfant de Dieu. And beats you even if you are a child of God. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'éviter le péché. That is why you have to avoid the sin. Il va encore dire, ne m'enlève pas ton esprit. He said, don't take away thy spirit for c'était him. Normal qu'il le dise. And that was normal for him to say. Seigneur, je me réjouis. Lord, I rejoice. À cause de ce que tu as fait pour moi à la croix. Because of what you have done for me at the cross. Je suis certes tombé aujourd'hui. It is true, I am fallen today. Je reconnais que c'est toi qui es droit dans tout ce que tu dis. I admit that you are upright in everything Seigneur, you say. Seigneur, je confesse cela, c'était une Lord, mauvaise façon de faire. I confess it, I did not behave well. Mais je te bénis pour le sacrifice de Jésus. I bless you for Jesus' sacrifice. Je te bénis pour le sang qui est toujours disponible. I bless you for the blood that is always available for et me. Et par lequel je suis nettoyé. And to which I am clean. Je te dis merci. I thank est-ce que quelqu'un est ici? Dans le nom précieux de Jésus. The precious name of Jesus. Je suis en paix avec Dieu. I have peace with God. Dis avec moi, je suis en paix avec Dieu. I have peace with God. Il y a des lectures qui sont très bizarres lorsque vous commencez à lire les choses de la, du Nouveau Testament. Lisons une dernière lecture. Let's take our last reading. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 17 à 19. Dis à ton voisin, la guerre est terminée. Tell your neighbor the war is over. Dieu n'est pas en guerre contre moi. God is not at war against me. Donc même les hommes du monde profitent de l'arrivée de Jésus. So even people of the world, we have good benefit from Jesus coming. Parce que l'agneau de Dieu a enlevé le péché du monde. Because the Lamb of God has taken away the sin of the world. Si les hommes vont en enfer, if men go to hell, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. It's because they have rejected Jesus. Ils ont rejeté celui qui a pris leur condamnation. They have rejected the one who took their condemnation. Ils ont rejeté celui qui a pris leur péché. The one who took their sins. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a donné son innocent fils au monde. And he gave his innocent son to the world. Afin que le monde profite de son innocence. So the world will enjoy his innocence. Comme un don. As a gift. Il a pris notre culpabilité. He took our guilt. Ça l'a amené à la condamnation à la croix. He was condemned on the cross. Il a subi la colère de Dieu. And he experienced God's wrath. Ça l'a amené en enfer. And because of that, he went to hell. L'innocent est devenu coupable. Innocent became guilty. Afin que tous les coupables qui croient en lui. Because of all the guilt, he will be. Deviennent des innocents. Become innocent. Et soient acceptés devant Dieu. And be accepted by God. Il y a un innocent dans la salle. There's an innocent person here. Ton cœur te dit peut-être que tu n'es pas innocent. Maybe your heart says you are not. Tes cinq sens te disent peut-être que tu n'es pas innocent. Your five senses say you are not. Mais à cause de ta foi en Jésus. But because of your faith in Jesus. Dieu te dit, je ne t'impute pas tout cela. I will impute it to you. Tu as avorté en 86, certes. You committed abortion in 1986. Mais à cause de l'agneau de Dieu. But because of the Lamb of God. Je ne t'impute plus. I will no longer impute it to you. Est-ce que quelqu'un me suit? Si à cause de cet avortement, le diable a décidé de bloquer ton accouchement, block your childbirth. Je ne t'impute plus cela. I will no longer impute et le diable n'a plus le droit de te bloquer. And the devil is no longer entitled. Parce que j'ai non seulement pris ton péché, I have taken your sin. J'ai aussi pris ton jugement. I have also taken your judgment. J'ai subi ta malédiction. I experienced your curse. Voilà pourquoi, en raison de ta foi en this moi, is why because of your faith in me. Tu peux accoucher. You can give birth. N'écoute plus les accusations. Stop listening to accusations. Il n'y a maintenant plus de condamnation. For there is no condemnation.
Pour ceux qui sont où? For those who are in Jesus. Et il n'y a maintenant plus quoi? Il n'y a plus quoi? Parce que quelqu'un a pris des condamnations. So someone bore a condemnation. La condamnation vient à cause des erreurs. À cause des péchés. Et la justice décide de te condamner. And justice decides to condemn you. Pourquoi il n'y a plus de condamnation légale sur toi? No legal condemnations on you? Parce que Jésus qui n'avait commis aucun péché. Because Jesus who has not sinned. A pris non seulement tes péchés mais tes condamnations. Sins, but also your condemnations. Que tout diable qui t'accusait. Any devil that was accusing you. M'écoute bien maintenant ce matin. Listen to me very well this morning. Parce que Jésus s'est chargé. Because Jesus bore. De son péché. He sees. Satan, tu n'as plus le droit. Sitting, you are no longer entitled. De t'imposer à cette personne les charges de son péché. To them the charges of your sin. C'est pour ça que nous brisons toute emprise des ténèbres. That's why you break any grief. Toute emprise de la sorcellerie. Any grief of which nous la brisons sur toi. Bring it upon you. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Nous la brisons sur toi. Bring it on you. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Ils disent non, vous avez trop aimé les féticheurs. See, you love the witch doctor. C'était un péché. It was a sin. Et Jésus a-t-il oublié ce péché à la croix? And Jesus forgotten that sin. A-t-il oublié de porter ce péché là? Non. Il a porté cela. He bore it. Donc le diable qui t'accuse que tu étais trop chez les féticheurs, son accusation, Jésus l'a annulée. God nullified his accusation. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur la croix du Calvaire. So you rely on the power of Sur le sacrifice de Jésus. On Jesus sacrifice. Nous nous réjouissons du don. Who rejoices about the perfect gift? Nous réjouissons du don de Dieu. Who rejoices about God's gift? Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a donné son fils. That he gave his son. Il est né pour mourir. He was born to die. C'est pour ça qu'à sa naissance. This is why at his birth. On l'a fait coucher dans une mangeoire. He was put in a manger. La mangeoire a la forme du cercueil. The manger has a shape. Ça a la forme du tombeau. The shape of the grave. Il disait non, je suis né pour mourir de ta mort. To die of your je suis né pour porter ton péché. Afin de recevoir ta condamnation. Il est né dans une mangeoire. La mangeoire, c'est la figure du cercueil. Ça symbolise la mort. It's a symbol of on l'a fait coucher dans la mort. On l'a fait coucher dans ta stérilité. On l'a fait coucher dans ton diabète. Depuis sa naissance. On l'a fait coucher dans le cancer de famille. On l'a fait coucher dans ta sorcellerie. Dans la mangeoire. In the manger. Quelle est la chose qui mangeait ta vie? What was eating your life? Mangeait ta paix. Eating, mangeait ton sommeil. Eating your sleep. Mangeait tes entrailles. Mangeait ton mariage. Your marriage. Jésus est né dedans. Jesus was born in that field. Il a pris tes péchés et tes condamnations. Your condemnations. Et il déclare à ton sujet. And he says about you. Il n'y a plus. There is no more. Il n'y a plus. There is no more. Il n'y a plus. There is no more. On t'a condamné à quoi? To what were you condemned? Dis avec moi, il n'y a plus. It is no more. Le célibat, il n'y a plus. That single is no more. C'est où Jésus a pris? Where is it, Jesus? C'est la foi. That is faith. La pauvreté là, c'est où? Where is that poverty? Jésus a pris. Jesus bore. Il est né dedans. He was born in. Il a pris ça. He bore it. Il a été dans ce monde dans le but de prendre cela. His word to take it. Où est passé cette mort subite? Where je suis venu pour prendre des dons. Je suis venu pour mourir de tes morts. Je suis venu pour aller en prison de tes prisons. Afin que tu sois libéré. Amen. Celui qui était sans péché. He that was sinless est devenu péché. Became sin for us. Afin que en lui. So that in him. Je devienne. I might be called justice de Dieu. The righteousness en of God. Jésus Christ. In Jesus Christ. Je suis la justice de Dieu. I am the righteousness of God. En Jésus Christ. In Jesus Christ. J'ai une nouvelle identité. I have a new identity. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Je jouis de tout ce qui est à lui. I enjoy everything in Christ. Je suis de son obéissance. I enjoy his obedience. Je suis de son innocence. I enjoy his obedience. Je suis de sa gloire. I enjoy his glory. Je suis de sa délivrance. I enjoy his deliverance. Je suis de sa guérison. Sa vie devient ma vie. His life becomes mine. Je jouis de sa vie. I enjoy his life. Je jouis de sa nature. I enjoy his nature.
nature. Son grand cœur d'amour. His great heart of love. Devient mon grand cœur d'amour. Becomes mine. Je jouis de ses privilèges. I enjoy the privileges. La protection qui est sur lui. The protection upon me. Elle est sur moi. Is on me. Merci infiniment, Seigneur. Thank you so much, Lord. Dans le nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Merci infiniment, Seigneur. Thank you so much, Lord. Dans le nom de Jésus. Bonne fête de Noël. Merry Christmas. Amen. Vous étiez en train de finir une lecture. C'est ça la bonne nouvelle. That is a good tidings. C'est que un comme toi. Is that someone like you? Dieu veut avoir une relation avec God toi. God wants to have a relationship with you. Quand Dieu a une relation avec toi. When he has a relationship with you. Il commence à enlever ce qui est mort, à le remplacer par la vie. Take away what is dead and replace it with life. Quand Dieu a une relation avec toi. When God has a relationship with you. Si tu saignes depuis 17 ans, 12 ans. If you were bleeding for 12 years, 17 years. Sa relation avec toi interrompt his relationship with you will stop the bleeding. Il veut avoir une relation avec toi. He wants to have a relationship with you. Afin d'interrompre tes saignements. So that he will stop your bleeding. Il veut avoir une relation avec toi. He wants to have a relationship with you. Afin de te ressusciter. To raise you up. Et que tu puisses jouir de sa vie. So that you may enjoy his life. C'est ça, Jésus. That is Jesus. C'est pour ça que les anges étaient dans la joie. That is why angels were excited. Et ils disaient que ce qui va arriver là, c'est un sujet de joie. And they will say, what ceux qui peuvent comprendre topic of joy. Ce qui se passe. Understand what c'est happening. Un sujet de joie. Topic of joy. Le Dieu du ciel va faire la paix. We make peace. Avec des pécheurs. With sinners. Avec des criminels. With criminals. Il va faire la paix avec eux. Make peace with them. Il va leur donner sa vie. Give them his life. Et il va commencer à les changer. And he will change de l'intérieur vers l'extérieur. From inside il n'est pas venu changer les gens mauvais en gens bons. To change bad people. Il est venu donner la vie. But he came to give life. La vie. Life. Cette vie-là. That life. Il est venu la donner aux pécheurs. He came to give it to sinners. Il veut donner cette vie à un homosexuel. He wants to give that life to a gay. Il veut donner cette vie à un sorcier. He wants to give that life to a il veut donner cette vie. He wants to give that life to a liar. Il veut donner cette nature, c'est sa propre nature. His own nature. C'est son identité. His own identity. Proclame ta nouvelle identité. Proclaim your new identity. Et elle s'imposera. And it will impose itself. C'est comme ça qu'on prend possession. That is how you take possession. Ça commence à se manifester. And it is manifest gradually. Dis à ton voisin, la foi prend possession. Faith takes possession. La foi réagit à la grâce. Faith reacts to grace. Elle prend possession. It takes possession. De ce que Dieu a donné. Of what God gave. Dans son grand amour. In his great love. Amen. Amen. Il n'est pas contre toi. He is not against you. Lis, mon ami. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es en Christ? Amen. Voilà ton identité. Prends. Prends. Ouvre la bouche et prends. Quand tu déclares, tu es en train de prendre. Quand tu déclares ce que Dieu dit à ton sujet, tu es en train de prendre possession. Says about your taking possession. Amen. La suite dit quoi? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a fait quoi? Il nous a réconciliés. He has reconciled us. Amen. Amen. Il nous a fait quoi? Benjamin, lève-toi un peu. Si maintenant tu as une fiancée. Amen. Si. Amen. C'est un exemple. Amen. Oh. Amen. Et qu'au bon milieu de la relation, et que vous êtes en train de vous balader à Yafé, une discussion se déclenche entre vous. Parce que tu aurais découvert certaines choses qu'elle n'est peut-être pas sérieuse. Et ça ne s'arrête pas à la discussion, une bagarre. La paix est donc brisée entre vous. N'est-ce pas? Il n'y a plus de paix entre vous. N'est-ce pas? Il n'y a plus d'amitié, n'est-ce pas? Vous êtes maintenant ennemis, n'est-ce pas?
La Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui. Maintenant, quand la réconciliation vient, et que vous vous pardonnez, et que peut-être tu découvres que ce que tu croyais savoir à son sujet était faux. Vous vous pardonnez, vous vous réconciliez, n'est-ce pas? La paix revient entre vous. La paix revient entre vous, non? C'est pour ça que les anges se réjouissaient. Parce que Dieu avait entrepris qu'au travers du sacrifice de son fils, il enlèverait ce qui vous sépare, le péché. Tu vois, non? Il enlèverait la mort qui vous empêche d'être, de communier avec lui. That will restrain you from fellowshipping with him. La mort spirituelle. Spiritual death. Parce que les morts et les vivants ne peuvent pas être ensemble. Because the dead and the living cannot be together. Même si tu aimes ta femme, si elle meurt, elle doit sortir de la maison, n'est-ce pas? Even if you love your wife, when she dies, she must leave the house. Tu la chasses, n'est-ce pas? You put her away. Parce qu'elle est morte. Tu la chasses. N'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que the good le news Dieu du ciel a décidé non seulement de pardonner, the God of heaven has decided not mais de nous restaurer la vie perdue, but to restore the life afin that de we nous lost, ramener à lui. So that we would come to him. Est-ce que tu comprends cela? Il y a la paix entre Dieu et there toi. There is peace between God and you. La paix entre Dieu et toi. Peace between God and you. Il y a eu inimitié entre Jésus et son Père à la croix. There was enmity between Jesus and his Father at the cross because parce of you. Parce que Jésus te portait en lui. Because Jesus was bearing you. Inimitié. There was enmity. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le cogner correctement. The Bible says that it pleased God to smite him. Quand il y a inimitié, ça me plaît de te faire du mal. So when there's enmity, I will behave badly with you. Il y a eu inimitié there was an à la croix at the cross entre Dieu between God et Jésus and Jesus à cause de toi because of you. Et aujourd'hui à cause de Jésus à moi, à cause de cette and vie à moi, because of that life in me, il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et moi. There's no il y a la any paix. Enmity between il y a God l'amitié. And me. There is friendship. There is peace. Et Jésus de dire dans Hébreux chapitre 2, verset 15, quelque chose comme ça. Il nous appelle tout simplement, quoi, il nous appelle des frères. Ses frères. His brothers. Il y a les frères et les sœurs de Jésus dans la salle. Brothers and sisters of Jesus here. Et le diable va te dire, ne écoute pas ça. Toi-même, tu connais ta colère. Tu connais les petits. And the devil will say, don't listen to it because you know your anger. Et moi, je vais te dire, regarde la vraie identité. And I will tell you, look at la the true identity, the true one. La véritable identité, c'est the laquelle? True identity. C'est celle que Jésus t'a donnée. Is the one that Jesus gave to you. Tout le monde pouvait regarder Jésus à la fois et dire, mais il est bon. Mais Jésus savait qu'il avait Jesus une nouvelle identité. C'est une mauvaise identité. C'était ton identité. Right identity. It was yours. Ton identité lui a ouvert les portes de l'enfer. Your identity opened the gates of hell to son identité à lui. And his identity ouvre les portes du ciel. Opens to you the gates of heaven. C'est un don gratuit. That's a free gift. La suite dit quoi? La dernière lecture, le dernier verset. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Il n'impute pas aux hommes. Is not imputing to men leurs offenses. Their trespasses. Amen. Amen. Donc quand il te regarde, when he looks at you, il n'est pas là pour te dire tu es trop pécheur, ne prie plus. He doesn't say that you are a sinner, stop praying. Je t'écoute pas. I'm not listening to you. Seul le Saint-Esprit va te convaincre que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour que Dieu te tue. C'est pour t'aider à régler ton comportement pour ton bien. The Holy Spirit will convince you that what you did is not good, but it's not for God to kill you, but just for est-ce que tu me suis? To change your behavior for your own good. Chasse-moi Satan. Cast away Satan. Et tous ces faux raisonnements. And all these bad thinkings. J'étais esclave de Satan du péché. Mais son pouvoir m'a libéré. Tu m'es pardonné.
Des temps de prière fort. When you have moments of prayer, tu seras en train de relâcher l'épée. You will be using this word. Souvent en acclamant, en priant. When you clap, when you pray, c'est l'épée que tu es en train de relâcher. It's the sword that you are using. Toi-même, tu n'aimes même pas la paix. You don't even love peace. Parce que si tu aimais la paix, tu ne prierais pas. Because if you loved peace, you would not have prayed. Et la famille t'aimerait. And the family will love you. Et la sorcellerie te mangerait tranquillement. And witchcraft will also eat you. Et ça fera la paix dans la famille. And they will experience peace in the family. Accepte d'être tranquillement le sacrifié. Et ça ira dans ta vie de couple. C'est vrai. Alléluia. Et personne ne perturbera, personne ne se souciera, de ta vie de prière. No one worry about you, your prayer life. Mais si tu commences à invoquer le vrai Dieu, l'épée est relâchée. But when you start calling upon the true God, this word is used. Pas de paix avec la sorcellerie. No peace with witchcraft. Amen. Pas de paix avec la maladie. No peace with sickness. Pas de paix avec la méchanceté. No peace with wickedness. C'est pour ça que je décrète et déclare. That's why I decree and declare. Que toute forme de sorcellerie. That any form of witchcraft. Que toute organisation méchante. Any wicked organization qui planifie de te détruire. That plans to destroy. Cette organisation là est détruite. Amen. Elle est détruite. Amen. Elle est détruite. Amen. Dis avec moi puissance de destruction. Puissance de destruction. Mobilisée pour m'éteindre. Mobilisée pour m'éteindre. Rentre d'où tu viens. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus, je refuse d'accuser réception. Toute flèche de sorcellerie, tout malheur programmé sur ma vie. Retour. Dans le nom de Jésus. Dis-moi, allez avec moi, toute semence des ténèbres. Toute semence des ténèbres. Qui portait du fruit dans ma vie. Par le feu. Je t'arrache. Enflammez-vous. Acclamez-vous. Arrache cette semence des ténèbres. Toute semence des ténèbres. Qui portait du fruit dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, je t'arrache. La semence des ténèbres. Qui portait du fruit dans mon mariage. Je t'arrache. La semence des ténèbres. Qui portait du fruit dans mes affaires. Dans mes enfants. Dans mes relations. Dans mon ministère. Dans mon bureau. Je t'arrache. Acclamez, prie. Toute semence des ténèbres. Qui portait du fruit dans ma vie. Dans ma maison.
t'arrache, je t'arrache. Semence des ténèbres, semence des ténèbres. Toi là, tu ne portes pas du fruit dans cette famille. Toi, ce célibat, toi, cette misère, je t'arrache, je t'arrache, je t'arrache. Arrache cette arrêtée, arrache cette paralysie faciale, arrache cette ces accidents, arrache cet esprit de mort. Ne te tais pas, acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Arrache ces échecs continus, arrache cet échec au seuil de la réussite. Je dis seulement ces ténèbres, tu ne portes pas du fruit dans ma vie, je t'arrache. Arrache cette colère, arrache cette violence, arrache cette polygamie, cette impudicité, ces maris de lui, ces femmes de lui. Ce n'est pas de Dieu. Arrache, arrache. Je dis seulement ces ténèbres, tu ne portes pas du fruit dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, je t'arrache. Je t'arrache de mes affaires, je t'arrache de mes enfants, je t'arrache de leur grandeur, je t'arrache de mon appel, je t'arrache de ma maison, je t'arrache de mes relations, je t'arrache, je t'arrache. Je dis en cette fin d'année, en cette année 2024, toute semence des ténèbres, tu ne portes pas du fruit dans mon corps, je t'arrache. Bien aimé, acclame et prie. Arrache, 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 arrache les kystes et les myomes. Ce n'est pas de Dieu. Arrache, 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 arrache. Bien-aimé, ne te tais pas. Allez, prie, prie, prie. Utilise cette épée et arrache la mort. Utilise cette épée que Jésus est venu apporter. Et déracine la sorcellerie. Arrache la sorcellerie. Arrache la méchanceté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute semence des ténèbres qui ne porte pas du fruit dans mon corps. Au nom de Jésus, je t'arrache. Ce cycle de règles douloureuses, ce cycle de règles bloquées, ce cycle de stérilité, ce cycle de misère, ce cycle de stérilité, ce cycle de misère, de stagnation et d'échec, je dis ce matin, par le nom de Jésus, je t'arrache. Je dis je t'arrache. Je de mes affaires, je t'arrache. De ma maison, je t'arrache. Par le nom de Jésus, cette pensée est pure, cette forteresse. Je t'arrache, je t'arrache. Toi qui attaques mes affaires, toi qui attaques tout ce que je fais, je t'arrache. Toi qui attaques mon sommeil, je t'arrache. Toi qui attaques mes relations, je t'arrache. Toi qui troubles ma paix, je t'arrache. Bien aimé, acclame et prie. Ton semence est ténèbre. Toi là, tu ne portes pas le fruit de Dieu dans ma vie. Sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné. Par le feu. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Dis avec moi, tout hôtel dans les ténèbres. Tout hôtel dans les ténèbres. Qui a reçu un sacrifice. Pour me nuire. Par le feu du Saint-Esprit. Meurs. Par le feu du Saint-Esprit. Allez, prie à ton réplique. Tu vas t'asseoir. Je veux que tu notes cette lecture. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Tu vas aller lire à la maison. Les anges se sont réjouis. Ils ont dit paix sur la terre. Aux hommes qu'il aime. Et par Jésus-Christ, la paix est instaurée entre Dieu et les hommes. La paix peut également être instaurée entre les hommes à cause de Jésus. Deux peuples qui ne s'entendaient pas. Lorsque les deux reçoivent Jésus, les deux vont trouver la paix entre eux. Amen. C'est ainsi que vous allez voir des personnes qui étaient musulmanes, qui détestaient les juifs et les chrétiens. Mais depuis le moment où ils ont dit oui à Jésus,
Ils sont ceux-là qui font même la propagande des chrétiens. They're making a propaganda of Christians. Et qui défendent les juifs. And they're defending the Jews. À cause de Jésus. Because of Jesus. C'est pour ça que les anges se réjouissaient. That is why angels were rejoicing. Le prince de la paix. The prince of peace. Est la raison. Is the reason. De cette saison. Of this season. Nous célébrons Jésus. We celebrate Jesus. Nous célébrons le don qui nous a été. We celebrate the gift that was made to us. C'est lui qui est capable de ramener sur la même table les gens qui se tuaient, qui ne pouvaient pas se saluer, that were not greeting. Il en est capable. He is able to do it. Même hier, toi-même, tu insultais ce Jésus. Even yesterday, you were insulting Jesus too. Quand tu étais dans le monde. When you were in the world. Insultait ces alléluia amen. You were insulting those alléluia amen. Maintenant toi-même tu es Jésus. Amen. Tu pries plus fort que tous tes anciens, tous ceux qui t'ont conduit, à Jésus. Nous disons merci à Jésus. We thank Jesus. Qui nous a rendu capables d'être assis ensemble. Who allow us to sit together. En lui le tribalisme s'enfuit. In him, there is no tribalism. C'est pour ça que les étonnes et les champions s'aiment. Alléluia. Amen. Les bassins et les tout pourris ensemble, ils louent le même Dieu. Amen. 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 En haut de là-bas, on est ensemble là-bas avec beaucoup de personnes, de beaucoup, de plusieurs régions différentes. We are with people of many different regions. Donc, je veux venir ici. J'aime quand nous arrivons à Bankomo. Like when we go to Bankomo. Ils ont une chorale nordiste là-bas pour le temps des chants. Vous demandez si vous êtes toujours au Cameroun. Ils sont merveilleux et joyeux. And they are wonderful and joyful. C'est Jésus qui rend tout cela possible. It's Jesus that makes it able. Avec lui, with him, les blancs et les noirs peuvent s'asseoir ensemble. White people and black people can sit together. Les païens et les juifs. The Gentiles and the Jews. S'asseoir ensemble. Sit together. Et célébrer le même Dieu. And they celebrate the same God. Qui sait qu'un juif ne pourrait jamais entrer chez les non-juifs avant l'arrivée de Jésus? Les premiers disciples de Jésus avaient même de la peine à aller chez les non-juifs, comme Pierre. Il a eu de la peine à aller prêcher l'évangile chez ceux qui n'étaient pas juifs. Mais Jésus a rendu tout cela possible. Jesus made all those things possible. Il a rendu un traditionaliste, un ancien sorcier comme toi. He made a former witch like toi you. Toi qui étais le féticheur en féticheur. You that were going from one witch doctor to another. Tu étais peut-être sous l'art avant, mais voici tu es assis à l'église. Maybe you were drunk before, now you are sitting in the church. Ce que tu insultais, tu te moquais de quand tu étais dans les bars. Maintenant, vous those êtes ensemble. You were insulting, you were making fun of them when you were in bars. Now you're together. Vous êtes des complices. You are friends, you are mates. Regarde ton voisin, dis-lui complice. C'est jusqu'au ciel. Up to heaven. Dans l'éternité. In eternity. Avec Jésus. With Jesus. Là-bas, il n'y a ni blanc ni noir. There's no white. Ni cheveux crépus, ni cheveux tendres. Ni bleu, ni blanc. The blue, nous the sommes white. Un. Nous avons la couleur du ciel. We have the color of heaven. Nous sommes les enfants d'un même père. We are the children of the same father. Une seule race. One race. La race de Dieu. The race of God. Nous nous réjouissons de cela. We rejoice of it. C'est pour ça que nous célébrons le don de Dieu. That is why we celebrate the gift of God. Qui a rendu des choses impensables possibles. Who made unthinkable things to become possible. Grâce à Jésus, les femmes peuvent aussi se placer à la chaîne et parler. Women can also preach. Amen. Il était un grand défenseur du droit des femmes. He was a great defender of women's rights. À sa résurrection, il a premièrement envoyé les femmes. He sent women pour annoncer sa résurrection. To announce his resurrection. Il est venu relever les groupes qui étaient discriminés. He came. Redonner de la valeur à tout le monde. Give back value to everyone. Les bannis peuvent de nouveau être acceptés. Those who were banned can même be les lépreux qui étaient chassés even de the la lepers ville that were cast out of the town sont acceptés dans la are présence des hommes in the presence of men. Bénis et changés.
They are blessed. C'est ce que Jésus peut faire. This is what Jesus can do. Le prince de paix. The prince of peace. C'est pour ça que les anges annonçaient la bonne nouvelle. That is why the angels were announcing the good tidings. Ils disaient voici à cause de la naissance de cet enfant, il sera un sujet de grande joie pour tous les peuples. It will be a topic of great joy for all the people. Gloire à Dieu et paix sur la terre pour les hommes que Dieu aime. And peace on earth. Amen. Amen. On va se lever. It's time on our feet. Tiens ton offrande. Take out your offering. Ma mère biologique a payé une dette chez les marabouts.
plus de 3 ans, chaque mois, tout son salaire. Elle n'avait pas un salaire de 100 000. Elle n'avait pas un salaire de 150 000. Elle avait plus. Mais aujourd'hui, quand on te dit adore, tu te sors d'abord, ça te dit c'est encore venu, voilà encore. On ne pouvait pas finir le culte sans ça. C'est pas d'abord ça. Il t'a aimé, qui a tout donné. Il n'attend pas d'abord ça de toi. Il attend ta vie. Il veut ton cœur, il te veut. Dis à ton voisin, Dieu te veut. Il s'est donné pour toi, il te veut. Maintenant, quand tu t'es donné vrai, tout le reste va suivre. Amen. Et papa nous disait tantôt, demain ne nous appartient pas, c'est maintenant. Et cette bonne nouvelle est prêchée partout. Pour toi, pour que tu ailles au ciel tout droit comme les dit, tu iras en enfer. C'est maintenant. Arrête le jeu, arrête de vivre comme tu vis. Il a tout quitté, il s'est sacrifié. Sacrifie-toi pour lui. Et tu verras sa grâce, sa grandeur dans ta vie. Alors tu es là, tu m'écoutes ce matin. Même au travers des réseaux sociaux, c'est un différent. Demain ne t'appartient pas. C'est une grâce de voir déjà 2024. Et je puis te dire, mais ça ne sera pas ton cas, ni mon cas, ni le cas de ceux qui nous écoutent. Pendant que tu seras en train de célébrer la traversée, d'autres seront en train d'être enterrés. Plus jeune que toi, même âge que toi, plus riche que toi, plus grand que toi. Plus belle que toi, plus beau que toi. Donc demain ne t'appartient pas, nous sommes de passage. Et papa me le disait hier, que de la même manière, le monde s'assoit pour se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est venu pour nous sauver. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. De la même manière, nous devons nous rappeler qu'il revient. Amen. Et nous devons être prêts sur cette terre où nous sommes de passage et où personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le moment. Demain ne t'appartient pas. C'est maintenant. Donc la première offrande pour celui qui s'est donné, la première offrande, c'est ton cœur, c'est ta vie. La première offrande, ce n'est pas Seigneur mon travail, mon mariage. Ça, ce n'est pas une offrande, c'est une demande. Et nous passons le temps encore demander. Mais Seigneur, je me donne à toi. Quand on va mourir, là, on ne va pas aller le mariage. Quand on meurt là, amen. On ne va pas aller le travail. On laisse tout ça ici. Et pendant que ton esprit est en train de s'élever, en train de partir, tu vois la peau là, le corps là par terre, couché, sale. Amen. Tu vois comment tout ça, pourquoi tu t'es battu également en train de rester et de dire vanité des vanités, tout est vanité. Et tu n'as plus de force de revenir, tu n'as plus de force de toucher quoi que ce soit, tu es en train de partir et tu laisses tout ça. Toutes les petites filles et les femmes que tu as dérangées, tu les laisses. Même la barbe que tu as chrétienne, elle va rester. Aide papa parce que le corps là, on va l'enterrer. Donc on amène. Donc Dieu veut d'abord ton cœur comme il s'est terminé en temps. Amen, amen. Et c'est le moment. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu t'es donné. Je me donne à toi. Quelqu'un m'avait dit, j'ai déjà dit oui à Jésus. Ce n'est pas le oui des oui, je veux le miracle, oui, je veux le mariage. Mais le vrai donné. Seigneur, je m'abandonne à toi. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, tu as tout quitté pour moi. Seigneur, tu t'es donné pour moi. Quand je regarde ma vie, je n'ai rien quitté. Je ne me suis pas donné. Mais ce matin, je me donne à toi. Ce matin, je m'abandonne à toi. Seigneur, sois mon sauveur. Que j'accepte encore ce matin comme sauveur. Je t'accepte comme sauveur. Sois mon Seigneur. Sur cette terre où nous sommes de passage. Et où nul ne connaît l'heure, nul le moment. Je te donne mon cœur, que je vive pour toi, que je ne vive plus pour moi-même, que je ne vive plus pour la concurrence, que je ne vive plus pour le monde, mais que je vive pour toi, qui a tout fait également pour moi. Seigneur, je te donne ma vie. Et je reçois celle que tu es venu donner. Merci Jésus de m'accepter. Merci. Merci.
toi qui nous as réconciliés, Seigneur Jésus, avec le Père. Merci toi qui touches encore un cœur et une vie ce matin. Merci toi qui ouvres encore nos yeux dans ce monde où nous sommes emportés par n'importe quoi, prêts à tout, à perdre nos âmes, prêts à tout pour le matériel, prêts à tout pour prier, prêts à tout et te mettant de côté, levant des mains impures dans ta présence, disant qu'on t'aime alors que nous sommes loin de toi. Ce matin, Seigneur, j'ai vu ce que tu as subi. J'ai vu ce pourquoi tu es venu. Merci de me l'avoir rappelé. Je me réengage. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin de ta force pour annoncer cette bonne nouvelle partout. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour parler de toi partout. Pour parler à quelqu'un encore en ce jour, au sortir d'ici et lui dire la bonne nouvelle. Celle pour laquelle tu es venu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, nous te célébrons et te magnifions. Merci Seigneur pour ton précieux sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci Seigneur de nous refocaliser. Merci Seigneur de repositionner nos pensées, nos raisonnements. Merci de repositionner notre vision afin que nous nous engageons à faire ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu attends de nous. Sur cette terre où nous sommes de passage et où personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le moment. Père, nous te disons merci. Lève tes deux mains et dis-lui merci pour le don gratuit. Et je reçois ce don gratuit. Merci Seigneur. Je viens ce matin avec mon offrande. Te dis merci. Te célébrer et t'exalter. Pour que la bonne nouvelle qui est arrivée jusqu'à moi puisse aussi aller partout dans le monde au travers de ce que tu as mis dans mes mains. Au travers, Seigneur, des semences que tu me donnes, j'apporte mon offrande, non seulement pour t'adorer, mais qu'elle œuvre pour l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus. Que par mon offrande, la parole de Dieu touche quelqu'un quelque part. Seigneur, je te dis merci. Merci de la bénir. Merci de sanctifier cette offrande. Merci de la purifier. Merci de la recevoir dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. En célébrant celui-là qui a tout fait pour toi, qui a tout quitté pour toi, célébrant celui qui s'est donné pour toi, tu viens mettre ton offrande dans la rubrique offrande. En célébrant. Si tu ne sais pas danser, tu ne viens pas. Tu regardes la personne qui est devant toi, comment elle danse. Et tu l'imites. Il ne faut pas seulement imiter les mauvaises choses. Et on va aller en ordre. Que les diacres conduisent les gens en ordre. Du fond là-bas. Commence par le fond. On va finir ici devant. Mettez-les en ordre, en danse. On va. Merci. Il est là, Jésus est là. Il est là, le roi est là. Il est là, Jésus est là. Tout le monde est là. Il est là, le roi est là. Il est là, Jésus est là. Il est là, le roi est là. Il est là, Jésus est là. Il est là.
aux dîmes et aux semences, que les choristes aillent donner les offrandes. De grâce, tu marques action de grâce, tu marques dîme, tu marques semence de succès. Amen. Amen. Tu célèbres le Seigneur, dis-lui merci. Seigneur, merci pour le travail que tu me donnes. J'apporte ma dîme, si c'est la dîme, j'apporte la semence pour ceci. Parle, il faut savoir parler à ta semence. C'est un sacrifice quelconque, j'apporte le seul sacrifice pour ceci. Seigneur, je viens t'honorer, je viens te célébrer. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans mon nom. Sois magnifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous disons amen. Amen. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il ouvre les écluses des cieux en ta faveur, au nom de Jésus. Que le Dieu que tu mets à l'épreuve te surprenne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chorale. Venez voir, tu viens même dans la rubrique Jim au sacrifice en dansant. Alors, nous avions donné cette annonce pour honorer nos parents spirituels. Il était question qu'aujourd'hui, nous apportions des semences. Je vais lire dans 1 Corinthiens 9, verset 21. Il est écrit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Et Galates 6, verset 6 nous dit, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Alors, bien-aimé, si tu as apporté ton offrande, comme nous avons l'habitude de le faire pour honorer les parents spirituels, est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds et nous allons prier. Nous avons été enseignés à ce sujet. Je prie ceux qui n'étaient pas là d'écouter les enseignements que nous avons eus le troisième vendredi en ce qui concerne le programme sur le travail que nous avons eu. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes le privilège de semer dans la vie de nos parents. Nous voulons, Seigneur, te présenter nos offrandes, nos semences ce matin. Nous voulons que tu les bénisses. Nous les déclarons sanctifiés, trempés dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça se pose à l'autel, s'il vous plaît. Amen. Donc, bien aimé, l'annonce concernant toujours cette semence, c'est on avait été enseigné que ça doit être quelque chose de permanent. Autant que tu peux, vous pouvez apporter à l'autel. Amen. Ah, vous voulez danser, ok, on va danser. Alignez-vous bien et faites vos derniers pas de danse.
enveloppe, que c'est pour les parents spirituels. Amen. La recommandation du Seigneur. Alors, la deuxième annonce compte pour moi. Nous avons débuté un programme de jeûne et de prière qui va du 21, qui a commencé déjà le 21. Nous allons terminer le 21 janvier 2024. Le jeûne va de 20h à 15h. C'est-à-dire qu'on mange entre 15h et 20h. Mais on a le droit de boire de l'eau pendant toute la durée du jeûne. Et samedi et dimanche, c'est de 20h à 14h. Donc, lundi à vendredi, 20h, 15h. Samedi et dimanche, 20h, 14h. Il est 11h, donc on a encore le temps, mais on peut boire de l'eau. Amen. Alors, nous avons notre retraite spirituelle de fin d'année qui se déroulera en ce lieu, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. S'il vous plaît, notez les annonces. Si quelqu'un m'écrit encore après, il va payer pour que je lui redonne les annonces. Donc, mercredi... Nouvelle méthode. Maman dit nouvelle année, nouvelle méthode. Donc, notez les annonces, s'il vous plaît. Mercredi, jeudi, vendredi, le temple est ouvert à partir de 6h pour notre retraite spirituelle. Donc, nous avons un moment de retraite ici. Le temple sera ouvert pendant ces 3 jours. Nous allons prier à 6h, à 9h, à 12h, à 15h, à 18h. Bien-aimé, quand tu as du temps ou dispose ton temps, prends une permission pour venir dans la maison du Seigneur pour posséder l'année 2024. Amen. Et nous allons dormir au temple pour ceux qui peuvent également. Nous aurons des prières dans la nuit. Amen. Alors la traversée, le dernier jour de l'année, nous allons la faire ici également dimanche de 22h au matin. Alléluia. Et l'avant-dernière annonce, enfin il y en a encore deux, comme nous avons l'habitude de faire également pendant la traversée, nous apportons nos offrandes d'action de grâce et de consécration de la nouvelle année. Bien aimé, c'est quelque chose que tu dois faire avec sérieux. Alors, des gens bâtissent des autels pour ton année. Certaines personnes ont déjà fait des sacrifices contre ton année. Toi aussi, tu dois faire des sacrifices sur l'autel du Seigneur. Amen. Donc, une offrande d'action de grâce, une offrande de consécration de la nouvelle année, comme nous le faisons toujours. Et puis, demain, nous avons notre culte de Noël à partir de 8h. Amen. La dernière annonce, nous attendons vos témoignages. Nous avons été bénis par des séminaires, par des enseignements, par beaucoup de programmes cette année. Donc, vos témoignages sont attendus pour la nuit de la traversée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va célébrer. Attends un peu tes deux mains comme ça. J'appelle sur toi la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. J'appelle sur toi une huile nouvelle. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es venu avec ton offrande dans ce lieu, qui es venu déposer ta semence sur cet autel, en ce lieu ce matin, je prie le Seigneur de toucher tes activités d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu t'inonde. Tout ce qui ressemble à l'échec te quitte et te fuit au nom de Jésus-Christ. Je décrète la multiplication dans tes entreprises. Amen. La multiplication dans ta maison. Amen. Tout hôtel dans l'obscurité qui te combattait, je le décrète renversé. Amen. Tout pouvoir qui avait décrété la destruction sur ta vie, je détruis ce pouvoir-là. Amen. Je le détruis au nom de Jésus. Amen. Je le détruis au nom de Jésus. Amen. Je couvre tes activités par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, voici l'autel qu'ils élèvent dans cette maison. Lorsqu'ils viennent déposer cette offrande sur cet autel. Donc que tout autre autel qui parlait contre leur vie soit renversé à jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous appelons ton nom. Ici, nous invoquons ton nom et nous t'appelons, nous appelons la bénédiction. Amen.
Seigneur, donne que tout hôtel qui appelle le contraire dans leur vie soit renversé. Amen. Que tout féticheur qui se tient contre eux, qu'il soit également renversé. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les projets de l'ennemi ne s'accomplissent jamais en ce qui vous concerne. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur que vous honorez lorsque vous venez nous honorer, vous visite lui qui dit, celui qui honore mon prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Amen. Je voulais déclarer que parce que vous avez apporté l'abondance sur cet autel, que l'abondance devienne votre partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Toute forme de stérilité, d'infertilité vous quitte dans le nom précieux de Jésus. Amen. Les entrailles bloquées sont débloquées. Amen. Les affaires bloquées sont débloquées. Amen. Quand nous prions ce matin, nous pensons également à tous ceux qui se sont manifestés en ligne. Nous déclarons la même bénédiction sur leur vie au nom de Jésus-Christ. La mort subite est balayée. Amen. Nous déclarons la longévité. Amen. Nous déclarons l'excellence dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare sur toi la santé. Amen. La perfection divine t'affecte. Amen. Du sommet de la tête à la plante des pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute malédiction qui fonctionnait contre toi, nous la brisons. Amen. Nous la révoquons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, va en paix. Amen. Rendez-vous demain à partir de 7h, nous célébrons. 8h, pardon. Nous célébrons Noël demain. Dis à ton voisin, habille-toi bien. C'est Noël. C'est Noël. Propre. Et sois là. Au nom de Jésus. Donc invite quelqu'un au nom précieux de Jésus. Amen. Bon dimanche. Bon retour à la maison. Et bon jeûne pour ceux qui sont dans le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Jésus.